Qui fait la dib. Je le fais. C'est pas ça du tout. Il est tellement mal fait. Attends, c'était comment déjà? Attends, recommande. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvel épisode du Désordre et la Nuit. Un épisode un peu frustrant pour nous, surtout pour moi, parce que on a eu un épisode la semaine dernière qui aurait dû sortir, qui n'est pas sorti à cause de ces enfoirés de plateformes d'enregistrement. Et donc on va voir si on va réussir à le poster ou pas, mais c'est ce qui explique notre absence, qui finalement n'a surpris absolument personne. Il n'y a personne qui a demandé après nous. Personne n'avait. Donc peut-être que c'est l'essoufflement du podcast. C'est sûr, en plus. On m'a réclamé encore Hugo tout à l'heure, il m'a dit. Et du coup, ce soir, c'est le podcast qui déchire, qui va te mettre une patate. Et je dis pas ça parce qu'il y a Baki Doumbé qui se jouera dans 2 heures. Baki, c'est une fraude Baki, je crois. Ouh, ça commence. J'aime Vous bien. Êtes team Baki ou team Doumbé? Moi, objectivement, sans avoir regardé une seule minute de match de ni l'un ni l'autre, je dirais Doumbé. Tu te fais avoir par le marketing? Bah oui. Oh, c'est que ça, l'islam, Donjon et Dragon. Doumbé, que du marketing, frérot. Attends, quoi? Ah, c'est ça que tu voulais dire, et t'as commencé par l'islam. Bref. Et non, toi, mais... Franck, qui va gagner? Je sais pas, je t'avoue, j'ai très peu suivi, mais j'aime pas le fait qu'il se surnomme Baki. Parce que c'est un manga que j'aime bien, et je veux pas qu'il se l'approprie, cette tête de con, là. C'est un quoi, lui, comme nationalité? Il doit être un Tchétchène. Ouais. Daguestan. Ouais, c'est pour ça, hein. Mais du coup, c'est quoi ton prénom entier? Attends, c'est pas Shamsuddin. Attends. Mais c'est un autre gars, Shamsuddin, non? Ou c'est lui? Baki Shamsuddinov, il a raison. Ah, voilà, tu vois. Mais c'est son vrai nom, Baki? Non. Il s'appelle Baïsangour Shamsuddinov, frérot. Bah, voilà. Bah, après, je pense que Baki, c'est quand même plus facile à dire que Baïsangour Shamsuddinov. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a choisi ce nom de scène. Bon, je pense que c'est parce que c'est un manga de bagarre et que le personnage de Baki est super fort. Aussi, oui. Ouais, ça, c'est peut-être ça, ouais. C'est même sûr, parce que ça, tout le monde le savait. Tu savais pas, c'est vrai? C'est incroyable. Tu savais pas que Baki, c'était le nom d'un personnage de manga? Pas du tout. Ah, c'est et du coup, premier thème du soir. Que pensez-vous de l'émergence de sport des combats, notamment du MMA, ces dernières années? De leur popularisation, du coup. Ouais. Bah, c'est du super entertainment. Vous êtes un peu MMA ou pas? De loin. Parce que moi, je regardais pas mal l'année où je suis retourné à Thionville, donc 2018. Je regardais beaucoup et j'ai toujours suivi un peu de loin, même les anciens noms de type Georges Saint-Pierre, Shogun Rua, Anderson Silva. Chuck Liddell, tout ça, on jouait aux démos de UFC sur la Play avec mon frère. Et j'ai toujours suivi de loin. Frank Mir aussi, tous ces gars-là super forts. Mais avant aussi, je sais pas si vous allez avoir la ref, avant l'UFC, il y avait d'autres fédérations qui étaient plus populaires, notamment le Pride avec Fedor et Crocop. Je connais pas moi. Le K1 aussi, c'était genre le. Ouais. La compétition. Grave. Mm. Il y avait Pride. K1 et Bellator qui étaient avant l'UFC, yes. Et maintenant c'est l'UFC, mais oui, je pense que c'est parce que c'est hyper hyper divertissant, hyper entertaining, que ça a été, en fait je pense que ça a été bien marketé. Faut dire que RMC Sport, ils ont fait en sorte que ça se vende bien ces derniers temps. C'est vraiment ça, parce que moi pour le coup, qui n'était pas du tout on va dire pas la cible, mais en tout cas je regardais pas du tout. Ben, ce soir, je vais pas manquer Baki Doumbé, tu vois. Et c'est un événement, parce que du coup, on va se retrouver, il y aura beaucoup de monde et tout. Et genre, tout le monde va regarder en même temps, comme si c'était une finale de Ligue des Champions ou quoi. Bah, tu vois. C'était pour ça qu'on le faisait. Maintenant, c'est plus pour le UFC, quoi. Bah, c'est là que c'est sympa. Il y a le côté humain. BFL, si je puis dire. Il y a le côté humain qui fait que, en fait, c'est un homme contre un homme qui se parle dessus et tu te dis, ok, c'est qui va. C'est comme, en fait, quand t'entendais deux gars se crier dessus à l'école et que tu savais qu'il allait avoir bagarre à la fin de la journée, tu vois. Ben, t'as envie de voir qui va gagner, tu vois. Et là, c'est capillotracté de dire que ça représente une société de plus en plus violente, parce qu'on veut regarder des sports de combat plutôt qu'un match de foot où on peut pas faire le parallèle. Je pense pas, parce que je pense que
À tout moment, à toute époque, il y a eu l'exutoire de la violence qui s'est traduit par un média ou un autre. Quand c'était pas ça, c'était aller chercher des vidéos de bagarres sur des sites bagarres de rue, des trucs comme ça à l'époque. Donc je pense pas tant. Et puis là, c'est le MMA. Avant, c'était autre chose, je pense. Oui, je pense que ça, c'est juste un nouveau média, un nouveau sport qui est en train de se médiatiser. Mais avant, Mike Tyson, quand il faisait des combats, je pense que ça, tout le monde se connectait pour regarder. Avant lui, la boxe, ça a toujours ameuté beaucoup les foules. Donc, je pense que c'est juste l'UFC, le MMA maintenant qui fait du bruit. Parce que la boxe, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler aujourd'hui. Si ce n'est certains grands champions, quoi. Mais D'ailleurs, là, eux-mêmes, ils viennent faire des combats de MMA après, du coup, tu vois. et l'inverse d'ailleurs. Quand tu regardes Là, Francis Ngannou. ouais. Mais par contre, il y a un truc, c'est que pour le coup, mais ça, c'est pas un reproche ni quoi que ce soit, mais je dirais pas que ça représente une entrée de plus en plus vive de la violence dans nos mœurs, mais je trouve que ça symbolise bien le fait que, bah, en tant que consommateur, en tant que, ouais, on va dire, comment on Spectateur. appelle ça? Ouais, spectateur, exactement, de sport de combat, bah, le fait qu'on choisisse l'UFC ou le MMA, c'est un peu l'équivalent de choisir. Non, ça, j'allais faire un raccourci de vieux con, mais j'allais dire TikTok en réseau social parce que, tu vois, genre, t'as tous les sports de combat qui sont tous ultra techniques, genre la boxe anglaise, c'est vraiment le noble art, c'est hyper technique, hyper beau. T'as toutes les fédérations et tout. Et nous, on prend le mesclun, tu vois, qui est très fort aussi, attention, hein, c'est pas pour enlever quoi que ce soit. Mais finalement, ce qui perce le plus, c'est le mesclun de tout ça, tu vois, l'amalgame de tout et qui est le plus spectaculaire, entre guillemets. Mais c'est aussi parce que c'est très bien Mais moi, marketé je et aussi. trouve que c'est plus technique, hein. De quoi? Oui, non, non, je suis pas expert, mais je trouve que c'est plus technique que la boxe, tout simplement, la Ouais. boxe anglaise pour être plus précis. Il faut être Et c'est bon. vrai qu'il y a un Ouais. côté marketing, dans le sens où la boxe, comme tu dis, un côté très noblesse, bah, forcément, on parle de noble art et tout. Et le MMA, bah, c'est pour moi beaucoup plus primaire, tu vois, c'est beaucoup plus sauvageon, en fait, tu C'est vois. ça, c'est ça. D'être dans une cage versus un ring, tu C'est vois, rien que ça. des comme ça, mais ça participe un peu au C'est côté un ça. peu bestial de ce sport, quoi. T'as Ouais, les ça et t'as origines. le storytelling, et c'est là où l'UFC sont super forts de dire, ah lui, ce gars-là, c'était un ancien alcoolique qui vivait dans les caravanes dans le Midwest, tandis que lui, c'est un émigré du Nigeria, il s'est battu à la frontière pour passer et tout. Et c'est. Ouais, Ouais, et puis il y a des mecs qui se retrouvent de combat en combat, ils se trash talk après entre deux conférences de presse, c'est intéressant aussi, mais en pas plus, mal. le MMA, si vous regardez les origines, pour moi, c'est ça qui est le plus fou. Bon, qui a beaucoup changé aujourd'hui, mais à la base, le MMA, le principe, c'est Tekken en fait. Ouais, c'est vrai De ça. ramener que C'est des vrai mecs ça. de différents arts martiaux et de se dire, on les met dans une cage, c'est quel art martial le plus fort, tu Ouais. vois? Oui, c'est vrai. Après, c'est Au toujours les lutteurs qui gagnent, frérot. C'est vrai Malheureusement. qu'à l'origine, le but, c'était un peu de voir des mecs en kimono contre des mecs en gants de. Ben, les gants 8 oz hyper fins du Free Fight, des trucs comme ça. C'était Et si tu énorme, regardes ouais. bien, à l'origine, les mecs qui ont un peu importé ça, bah après, là je parle sous le contrôle de mon frère parce qu'il connaît mieux, mais c'était les mecs du jiu-jitsu brésilien de type Roy Gracie et tout. Et eux, ils étaient en c'est pas kimono le nom, c'est Anguille. en gi, exactement, dans l'octogone. Oui, c'est ça. Ouais. T'avais des mecs qui venaient en slip et des mecs qui étaient en gi, en fait. Et tu voyais qu'il y avait le mélange des combats. C'était super marrant à voir. Ça a Et changé ça. maintenant. Là, aujourd'hui, le free fight, c'est un vrai art martial, en fait, finalement. Ouais, ben maintenant tu t'entraînes au MMA, genre il y a des clubs qui font du MMA. Mais ça c'est hyper intéressant si on cherche à retrouver ce côté boxe contre taekwondo, free fight contre boxe thaï, si c'est ça. Si tu regardes le manga Kengan Ashura, parce que dans Kengan Ashura c'est vraiment ça pour le coup. C'est chaque combattant il incarne un art martial, un sport. Il y en a un c'est un sumo, l'autre il fait juste du grappling, l'autre c'est un tueur à gages, donc il vise que les points vitaux et tout. C'est vraiment l'esprit originel de ça, quoi. C'est super, je recommande d'ailleurs, Kengan. En Non, tout mais cas, c'est un c'est. super combat, j'ai hâte de le voir. J'aurais aimé y aller, participer, parce que typiquement, il y a tout le côté marketing, il y aura tout le graal, on va dire, du showbiz français, et même au-delà, hein, le côté sport, il y aura tout le PSG et tout. Et Doumbé, là, on peut lui reprocher plein de choses, mais c'est vrai que là où il est fort, c'est quand même sur le fait d'avoir fait de ces combats à chaque fois à un moment que tout le monde attend. C'est Et vrai ça, c'est ça. quand même hyper, hyper incroyable. Et je pense que c'est mérité. Après, je ne connais pas techniquement, je ne veux pas faire l'expert. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment une bête, ce man, tu vois. Et là, c'est un peu pour moi, c'est un peu
le duel de la boxe un peu à la Doumbé vs la lutte de Baki. Et je suis curieux de savoir qui va l'emporter, tu vois. On va voir ça. Mais voilà. Ça, je me suis pas beaucoup renseigné. Mais... la lutte. Mais c'est. Ouais, la lutte, c'est super cool. C'est vraiment super, super, super intéressant. Mais c'est dans le cadre d'un UFC Fight Night ou un UFC normal, là? Mais là, c'est non, PFL. Tu sais, il n'est pas à l'UFC. Ah, c'est le PFL, t'as raison, pardon. Pardon. Parce que bientôt, il va avoir l'UFC 299 avec Benoît Saint-Denis, pour le coup. Mais c'est bientôt. Ouais. Ben, c'est samedi. Ils en parlaient hier pendant le match de Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est fou ça. Stéphane Guy qui dit. Et on vous rappelle, entre 4 minutes de bonheur en plus et ces phrases qu'habituelles, il dit on vous rappelle que ce week-end, Benoît Saint-Denis, BSD, comme il appelle, il va combattre Dustin Poirier à l'UFC 299. Ah oui, il y a beaucoup de matchs mythiques. Demain, il y a aussi Ngannou Joshua aussi. C'est vrai ça. C'est vraiment le week-end de tous les possibles. Frérot, juste avant le ramadan, hein, tout le monde va se défouler avant le ramadan. C'est la dernière rapta avant le ramadan. Hein. on peut conclure cette première partie sur cette super blague. Il y a ce qu'il a dit, je ne sais pas si on a entendu, mais nous on a entendu. Dernière rapta avant le ramadan. Et là, on met le visuel de la rêve de ça sans l'expliquer. Mais ça, c'était une vraie soirée ou pas? Bah oui, c'est sûr, malheureusement. Mais du coup, elle prenait place 40 jours avant pour respecter le délai ou même pas? Je pense pas. Hein. Oui, c'est vrai. Pour être honnête, s'il y a quelqu'un qui participe à la dernière rapte avant le ramadan, il ne le fait pas 40 jours avant. C'est drôle, bon. Mais faut checker, faut qu'on fasse notre travail de recherche là-dessus, parce que c'est vrai, peut-être qu'on est mauvaise langue. Non, on ne l'est pas, on n'est pas du tout. J'ai un doute, je suis pas sûr que ce soit pas un mème, enfin une parodie quoi. Bah écoute. Ah, tu penses que c'est quelqu'un qui a fait cette blague là qui l'a pas. La but humoristique, ouais. Mais... Bon alors, comment ça va vous? En tout cas, j'ai le visuel là, je le mettrai en post-prod. Oui. Merci. Attends, non, sinon je vais faire un partage d'écran parce qu'on le mettra jamais en post-prod. Si, je le mets, pas de problème. Non, je le mets. Ok. Mayabe Oukala. Écoute, comment ça va? Moi, très bien. J'ai passé une très, 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 très bonne journée. Je suis vraiment hyper heureux. Et en ce moment, ouais, je suis sur un petit nuage, si vous voulez tout savoir. C'est super, ça. Pour quelle raison? On va dire économique. C'est sûr que tu veux dire ça à tout le monde, à tous les... Écologique. Ouais. C'est ça qu'il voulait dire. Il fait une faute d'abord. moi de mon côté, j'ai passé une très mauvaise journée. Comme ça, on a... Pour quelle raison? Économique. Économique. Et parce que je suis allé au travail, et parce que j'ai mis 2 heures à rentrer chez moi à cause des transports parisiens, et j'en ai marre de la vie de salarié. Ah mais ça comment ça va être pendant les JO? C'est une bonne... On va juste rester chez nous, voilà. Exactement. C'est quoi le point de vue là, des entreprises sur le fait qu'il va y avoir les JO bientôt, elles vous disent quoi? Genre, vous aurez du télétravail en plus ou quoi? Ou même pas? Il y en a certaines, oui. La mienne, pour l'instant, non. Alors, pour le moment, il n'y a pas de communication officielle, mais c'est très certainement ce qui va se passer. Puisque dans Paris, tu vas avoir besoin d'un QR code pour te balader et prouver que tu y vas parce que tu y habites. Ben, je pense qu'ils vont inciter à faire du télétravail au maximum. Pour éviter ça, justement, moi qui travaille à Saint-Ouen ou d'autres qui travaillent à Paris, ça va éviter qu'on y aille et qu'on engorge encore plus les transports en commun qui seront déjà bien engorgés. Vous pensez que ça va être un désastre ou pas? Franchement, je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Hein. Du point de vue extérieur, après, c'est toujours la com qui va dans ce sens-là, mais on dirait que c'est bien parti pour être catastrophique pour l'instant. Ouais, parce je pense qu'on... On veut que ça soit catastrophique aussi. Oui. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est un plan de com, qu'on fasse tous dire que ça va être catastrophique et que finalement ça se passe bien. En vrai, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien parce que bon, il y avait quand même toutes les infrastructures à Paris déjà de base. Là, ils en ont rajouté, etc. pour mettre du confort supplémentaire. Mais c'est pas comme si tu commençais from scratch de tout un plan de réseau ferroviaire et compagnie. Non, bon. Mais moi, j'ai vu, et c'est le truc auquel je pensais quand j'ai dit ça, c'était que notamment la SNCF, la RATP, les éboueurs et tout, ils menaçaient de faire grève pendant les JO. C'est vrai ou c'est faux ça?
Ça, c'est classique, ça. Ça, c'est classique. Après, est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Ce serait un super moment pour le faire. Ce serait génial. Mais non, je pense pas que ce soit que ce sera le chaos comme on s'y attend. J'y crois pas trop. Et la Seine, on va pouvoir nager dedans ou pas? Est-ce qu'on veut vraiment le faire? C'est ça la vraie question. Ouais, moi, j'aimerais bien. Moi, je trouve, c'est cool, non? Oui, c'est vrai. Parce que toi, bon, tu dis ça, Abdullah, parce que au-delà du fait de la Seine, t'as pas trop envie de nager, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, ça n'a rien à voir avec la Seine, au final. Mais bon, c'est quand même un des trucs les plus dégueulasses du monde, la Seine, si tu regardes bien. Ouais, mais elle est propre. Entre la Seine et le Gange. Ah, le Gange, hein. Ah oui, c'est ça. Mais c'est béni, mec. C'est la rivière sacrée des hindous, frérot. Et toi, Farouk, c'est quoi tes actus du moment? Vous savez ce qui m'est arrivé lundi soir? Je suis allé rejoindre des amis que vous connaissez, Chili et Kurt, ouais. Qui sont venus à Dubaï parce qu'ils adorent venir. Ils utilisent pratiquement tous leurs jours de congé pour venir à Dubaï. C'est super drôle, mais ils adorent, donc c'est vraiment cool. Et on était à un endroit ici à Dubaï, un genre de resto-bar. Et en fait, ils m'ont apporté des livres photos. Donc, j'ai fait des livres photos du voyage en Inde et du voyage en Asie centrale. Et j'étais en train de les regarder en marchant. Et j'avais des lunettes de soleil, pas celles-ci, mais les bleues que je mets d'habitude. Donc, étant donné que la lumière était tamisée et que j'avais ces lunettes de soleil, je ne voyais pas parfaitement bien, tu vois. Et en plus, j'étais distrait parce que je regardais un petit peu la couverture des livres qu'ils m'avaient ramené. Et cet endroit, donc, c'est un endroit un peu hype et tout, donc il n'y avait que des groupes de filles de partout et tout. Et il y avait une double marche que apparemment je n'ai pas vue et je me suis rétamé la gueule. Vraiment, quand je vous dis, ça faisait au moins 15 ans que ça m'était pas arrivé, je me suis éclaté la gueule par terre. En fait, je croyais qu'il y avait une seule marche, et en fait, il y en avait deux, donc j'ai envoyé mon pied de façon à absorber l'impact de une marche, sauf que non. Donc ma cheville, elle a tourné, je me suis éclaté la cheville. Vers le haut ou vers le bas? Ben, les deux, du coup, j'ai pratiquement rebondi, en fait, parce que je suis arrivé. C'était ma cheville, elle a... une marche qui descendait. Non, qui descendait. Qui descendait. Ah. Donc, pire encore. Bah oui, donc ma cheville, elle a tourné complètement, de façon à presque mon tibia touche le sol. Et après, j'ai essayé de me rattraper, j'ai balancé les livres en l'air, vraiment un fracas terrible. Et là, j'étais à la Marina Bay, frérot, et voilà. C'est... Vraiment, c'est... J'ai raconté ça. Si je peux me permettre, vraiment, c'est bien fait pour toi. Pourquoi? Parce que vraiment, connaissant le personnage... Et qui aime bien avoir des moments très marqués, très, très officiels, solennels, etc. Regardez ces photos d'un voyage en Inde, en marchant comme ça dans la rue, avec des lunettes de soleil, le reflet du soleil sur le livre. Vraiment, c'est bien fait pour toi, c'est fou. Ah, écoute, c'est pas ça. C'est l'équivalent d'un gars qui regarde Avatar dans le train chaque jour pour aller au travail. C'est pas ça, mais non, c'est pas ça. Vraiment, mais non, écoute, c'est pas ça. C'est qu'il venait de me ramener les livres. Et c'était la nuit, on était dans l'établissement de lui, on allait s'asseoir à... parce que la serveuse elle nous amenait à notre table, donc on y allait, et moi j'étais enthousiaste, donc je regardais la couverture, je me disais ah putain trop bien, dès que j'arrive à ma place je vais ouvrir le livre, mais voilà, ça m'a distrait assez pour que je fasse une rondade en bonne et due forme. Mais il est tombé. Ah oui, je me suis éclaté, ça a fait un bruit terrible, les filles présentes et se sont moquées de moi à gorge déployée. En plus, le pire, le serveur, il m'a relevé. J'ai envie de dire, mais casse-toi. Vraiment, je pense que ça faisait... Sans mentir, je pense que ça fait au moins 15 ans que je suis pas tombé comme ça. Mais ça fait longtemps. Wow. C'est vrai que ça fait... Moi, je me pose la question. C'était quoi ma dernière chute? En tout cas, c'est quoi, la dernière... ça, T'es tombé comme ça de façon embarrassante. Ah, c'est terrible. C'est terrible de faire ça. Ça, c'est des expériences. C'est dans les cauchemars, normalement, ça. Oui. Ça va mieux, pas trop de séquelles. Bon, ça va encore, je mets de la glace. Ah oui. Ah oui, à ce moment-là, ça fait 3 semaines, t'as encore mal. Non, c'était lundi, là. C'était lundi soir. Non, mais bon, que veux-tu. Mais vraiment, c'était terrible. Mais ça valait le coup, parce qu'on a passé un super moment, et les livres, ils sont magnifiques. Après, ça valait le coup, et non, parce que c'est pas... À cause de la chute que t'as non, passé non, pas du tout, mais bien sûr. Ça a rajouté de la superbe. Non, c'est... carrément. Mais ces livres, vraiment, ils... Bon, après, on a beaucoup parlé de cette population
que sont les Indiens dans le podcast, mais avec Hugo, on avait remarqué un truc. Avant de partir en Inde et après en être revenu, c'était que avant qu'on parte en Inde et qu'on questionnait un petit peu nos collègues de travail, il y en avait pas mal qui nous disaient de pas y aller en Inde, et la plupart et les autres ils s'en foutaient complètement, tu vois, qu'on y aille. Genre, ils n'étaient pas très enclins à nous donner des conseils et tout. Et là, j'ai ramené un livre photo Asie centrale et un livre photo Inde, et quand je demande à mes collègues de travail indiens, vraiment ils en ont rien à carrer, ils s'en foutent, ils veulent que je me barre de leur bureau, c'est tout. Et ils ont dit c'est assez intéressant. Mais en fait, au-delà de ça, ils ont un rapport à leur propre pays qui est hyper intéressant. Hyper, hyper intéressant. Tu penses que c'est ça? Ou c'est juste qu'en fait, même tu leur aurais ramené un livre photo du Japon, ils n'en ont rien à foutre? Ah non, je t'assure que pour le coup, vraiment, les mêmes personnes avec qui j'ai essayé de parler de mon voyage en Inde et qu'ils n'en avaient rien à carrer, quand je leur parlais de mon voyage à Oman ou de trucs qu'on a fait ensemble en Thaïlande, en Malaisie et tout, vraiment, ils m'écoutaient, ils buvaient mes paroles, vraiment sans mentir, tu vois. Mais c'est juste l'un d'eux. En fait, je pense qu'en premier lieu, il y a un truc tout simple, c'est qu'eux, sans parler à la place de la communauté encore une fois, mais ils ne conçoivent pas ça comme une destination de vacances déjà. Ils ne disent pas pourquoi ils vont là-bas, tu vois, premier truc. Et puis après, non, je te dis, ils ont un rapport particulier chacun à leur pays. C'est hyper intéressant à voir. Surtout qu'en ce moment, c'est pas le moment opportun de parler de vacances en Inde. Mais ça, je sais pas pourquoi. Alors, bon, on va remplacer. Du coup, il y a un fait divers terrible qui défrait la chronique, c'est qu'il y a un couple qui faisait apparemment, donc d'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, un tour du monde et qu'ils ont fait donc pratiquement tous les pays, ou en tout cas une bonne centaine, et que le dernier pays sur leur liste, c'était l'Inde, et que donc... Ils sont fait agresser, l'homme s'est fait rouer de coups et la femme s'est fait violer, je crois, agresser sexuellement, violer. Et du coup, y a énormément de bruit et finalement d'attention qui est portée sur cette question-là en ce moment. Mais le premier truc, un truc que je me suis dit quand j'ai vu ça, c'est je pense pas que ce soit un cas isolé. Donc pourquoi on en parle énormément là alors que, je peux pas dire ça arrive tous les jours, mais bon, c'est des trucs. Il y a le côté sensationnaliste et le côté, comme tu as dit, elle a traversé tous les pays du monde. Et en fait, on met ça au côté du fait qu'elle est arrivée en Inde. Et là, mais ça, je pense que c'est du storytelling, ça. Ça, c'est comme les films que tu vois à la télé en mode le mafieux qui fait son dernier braquage et c'est là où il se fait péter, tu vois. Est-ce que juste, je ne sais pas si c'est déplacé ou pas, vraiment, et je m'en excuse si c'est le cas, mais par rapport à cette dame, ce qui lui est arrivé, ce qui est terrible, oula, l'image qui m'a fait le plus rire, vraiment, c'est triste, hein, c'est la photo qu'elle a envoyée. Avec les talibans, oui, ça c'est... Ouais, non, ça c'est super, ça c'est incroyable. Super, ça. C'est très bien, ça. C'est très très drôle, ça. j'étais... Franchement, j'étais exténué de voir un truc pareil. Ils ont même pas l'air très ravis d'être sur la photo, tu vois, c'est ça qui est le plus dingue. Ils ont mal. Les talibans, là, ils ont pris une photo avec eux, bien et tout, avec son mari, comme ça, il tape sa meilleure pose. Arrivé en Inde, c'est voilà. Fou. Hein. Par contre, il y a un truc qui m'a rendu un peu perplexe, parce que bon, l'anecdote, elle est horrible. Enfin, l'anecdote. Sachant, pardon, Elias, hein, qu'on avait parlé de ce sujet en plus avant. Oui. De... Oui, on en avait parlé, mais justement, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, c'est que tout le monde en a parlé. Au bureau, t'as vu, on m'en a parlé. Et en fait, je sais pas comment réagir sur le fait que la parole, elle est ultra libérée sur « Ouais, si tu vas en Inde, ça va te faire violer. » Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un peu la maladresse que j'avais... Non, je suis pas d'accord. Hein. Je me fais un peu l'avocat du diable. Malgré la violence de tout ce qui s'est passé, etc., pour moi, ça reste un fait divers. Hein. Je suis désolé. Mais oui, je suis d'accord. De personnes, des femmes qui vont en voyage en Inde, et je veux pas me faire l'avocat du diable. Enfin, je suis encore moins bien placé pour me faire l'avocat de l'Inde, j'en ai aucun intérêt. Mais c'est juste que pour moi, ça reste un fait divers hyper grave et hyper triste et hyper qui devrait arriver à la personne. Mais ça reste quand même un fait divers, on ne peut pas faire de raccourcis. Mais c'est un peu la maladresse que j'avais commise la dernière fois quand on parlait de ça, justement, ou alors le raccourci un petit peu tendancieux que j'avais fait en disant que l'Inde... Mais après, c'était aussi révélateur de dire que l'Inde, dans l'inconscient collectif, c'était peut-être le pays qui représentait le plus un danger pour les femmes du point de vue des agressions sexuelles et tout ça, tu vois. Alors qu'on avait directement vu que... Bah, pas forcément. Mais en tout cas, c'est celui qui renvoie le plus cette image
malheureusement, dans les médias, quoi. Vous allez sur les réseaux sociaux, dans les médias. Oui, c'est systématiquement, malheureusement. À tel point que, après, t'as vu, bah, là, c'est moi qui le dis, et je suis d'accord pour dire que ça reste un fait divers. Malgré ça, je sais pas si je serais à l'aise pour voyager là-bas mais avec ma femme. Par un fait divers, je sais pas si c'est vraiment un fait divers, parce que, alors, c'est pas le pays où... qui est représentatif de ça, mais on avait vu quand même que ce soit l'Inde ou genre, je me rappelle plus, l'Afrique du Sud ou quoi, c'est quand même des pays où il y a un problème endémique avec ça quand même. Oui, mais c'est ce qu'on avait vu, c'est que c'est non, pas c'est pas le pire, bien sûr. Mais je pense pas que c'est que ce soit un truc tant isolé que ça, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas un truc. Et encore une fois, sans faire de généralité ou quoi, mais c'est. Enfin, d'après ce qu'on avait vu, encore une fois, hein, sans se fier à quoi. Moi, par exemple, après, c'est encore une fois, c'est différent. Je suis un homme et tout, mais bon, en étant allé en Inde, j'ai pas vu de problème particulier. Il y avait des femmes occidentales, d'autres. De quelque chose d'ethnie autour de nous et tout, il n'y avait pas l'air d'avoir des problèmes. Mais on connaît tous des femmes qui sont allées en Inde et qui sont revenues au contraire, en étant, tu vois, carrément illuminées, en ayant vécu le meilleur voyage de leur vie. De quoi ? Carrément pas violées, quoi. C'est quoi le contraire ? C'est quoi le contraire ? C'est vrai, ça ? Ce serait quoi, finalement ? C'est fou de dire un peu pareil. Enfin, bref. Du coup, moi, je peux raconter une anecdote qui m'est arrivée. Bah, un grand plaisir. Et qui peut être sujet à un débat. Alors, vas-y, on t'écoute avec. La semaine dernière, je vais vous dire c'était quand exactement. La semaine dernière, j'ai eu une petite expérience qui était absolument phénoménale et qui a changé ma vie. Enfin, a changé ma vie. Les mots sont peut-être un petit peu forts. C'était exactement le 28 février. J'avais un rendez-vous. Et j'étais, pour ceux qui savent, au bureau à Franconville. Donc, c'est un sorte de restaurant, on va dire, un bar-brasserie, quoi, qui sert à manger, qui sert à boire et tout. Donc, j'avais un rendez-vous là-bas. Et au moment où j'arrive, genre 100 minutes après, je suis posé, je commence à discuter et tout. Et il y a un gars qui vient à notre table et qui nous dit bah, « je vais vous faire un tour de magie ». Et il nous fait une prestation, mais de très, 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 très haute volée. Vraiment exceptionnelle. Ce qu'il nous fait, c'était dingue, tu vois. Et moi, vraiment, j'étais en train d'admirer son exercice. Et c'était en face de moi. Et j'arrivais pas à comprendre ce qu'il faisait. Parce que tu vois, quand tu vois de la magie, c'est à la télé. Tu te dis peut-être qu'il y a des complices et tout. Là, j'étais directement impliqué. Il me faisait des tours de magie à moi et j'y voyais rien du tout. Et déjà, rien que ça, c'était vraiment exceptionnel pour moi. J'ai passé un super moment. Et là, au moment de partir, il nous tend une carte, sa carte de visite. Il nous dit, ouais, je travaille au parc Astérix, je suis aussi magicien, et aussi je fais de l'hypnose. Et là, moi, avec toutes mes idées reçues que j'ai, je dis, ah, l'hypnose, de toute façon, c'est de la merde. Moi, je sais que ça, moi, j'y crois pas. Dans ces termes. Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit, ouais, bon, l'hypnose, moi, j'y crois pas trop. Et là, du coup, il me fait un petit test pour voir si déjà je suis un petit peu réceptif, tu vois. Et là, je suis totalement réceptif. Comme ça, là, le truc des doigts, là, comme ça. Exactement, ouais, c'est ça. Du coup, là, le man, pendant 10 minutes, il m'a fait de l'hypnose. Et il m'a... C'est vrai ? Vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable. En fait, vu qu'on était dans un restaurant où, du coup, il y avait pas mal de bruit et tout, j'étais à la frontière... entre hypnotisé et un petit peu conscient. En fait, moi j'appelle ça un état modifié de conscience, mais bon, après, toi, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et du coup, il m'hypnotise, tu vois. On était deux, et moi, j'étais plus réceptif que l'offre, tu vois. Et du coup, il me le fait à moi. Et du coup, là, il me dit, bon, bah, toi, t'es réceptif, on peut peut-être s'amuser et tout, tu vois. Et là, du coup, il m'hypnotise. Moi, j'étais assis comme ça, il m'hypnotise, il me parle ici, là, dans l'oreille et tout. Et du coup, il me dit, ils me disent de mieux en mieux, etc., tout ce qu'ils disent là. Et il disait dans mon oreille, en gros, tes mains, elles se collent à tes jambes, et tes pieds, ils se collent au sol, c'est impossible pour toi de se lever, etc. Et du coup, une fois qu'il finit, impossible pour moi de me lever. Vraiment, c'était impossible. Et en même temps, j'essayais, parce que j'étais un petit peu encore en conscience, je disais, mais si, bien sûr que je vais y arriver, tu vois. Et du coup, j'arrive pas. Il me fait ça. Après, je dis, putain, vas-y, j'ai trop le seum et tout. Et il continue. Il me fait un deuxième truc, et là vraiment j'étais sur le cul.
il me dit un truc en mode il me parle, il me dit pour toi le chiffre 7 il existe plus. Genre, c'est mais le gars plus, c'est Icage. Je sais pas, je connais c'était pas. C'était un gars avec des cheveux grisonnants et des petites lunettes et un gilet comme ça. Je sais pas. Attends, je vais regarder comment t'écris Icage. Ika. Je sais plus si c'est GE ou J. Et bref, du coup, il me dit ça. J'ai trouvé. Vas-y, vas-y, je t'en prie, pardon. Du coup, il me dit ça. Il me dit, ouais, le chiffre 7, ça n'existe plus et tout. Et là, du coup, moi, je me dis. Et là, tu vois, il me dit ça dans l'oreille gauche, dans l'oreille droite. Moi, j'entends des gens parler et tout. Et je lui dis, non, mais cette fois, c'est sûr, il ne va pas m'avoir. C'est bon, le chiffre 7, il existe. Tu ne vas pas me la faire deux fois et tout. Et du coup, il me dit, ouais, tu travailles dans quoi? Moi, je lui dis, ben voilà, je suis dans la parfumerie et tout. Il me dit, ah, dans la parfumerie, il faut savoir compter. Je lui dis, ben oui, bien sûr. Attends, merde, je ne sais pas si on va voir. Il y a la lumière. Dis-moi comment on le. YKAJ. Mais non, je crois pas que ça. Oh mince. Parce que ce gars-là, il fait des numéros, il fait exactement ça. Le chiffre 7, il n'existe plus. Non, ouais, c'est pas ça. Bah, après, je pense que tous les hypnotiseurs, okay, ils font ça, à mon avis. Mais... Du coup, bref, il me dit ça. Il me dit, ouais, du coup, tu travailles dans la parfumerie et tout. Je lui dis, oui. Il me dit, ouais, faut savoir bien compter. Je lui dis, bah oui, évidemment. Il me dit, 4 plus 2, ça fait combien? Je lui dis, bah 6. Et là, il me dit, plus 1. Et vraiment, les gars, j'avais le seum de ma vie. Je connaissais la réponse, mais elle sortait c'est de vrai ma bouche. Le jeu, elle ne voulait pas sortir de ma bouche. Et là, du coup, après, il me dit, et là, du coup, j'étais avec des potes à moi proches. Ils me disent, vas-y, mais arrête de faire le comédien, donne la réponse, tu vois. Moi, je dis, mais je vous jure que je la connais, la réponse, mais elle veut pas sortir de ma bouche, genre. Et après, il me dit, tu connais Blanche-Neige et tout? Ouais, il y a combien de nains? J'ai dit, bah oui, il a le même chiffre que tout à l'heure, mais je peux pas dire. Oh, wow. Et là, du coup, il me dit, tu vois, le temps, il passe un petit peu. Il me dit, il y a combien de jours dans une semaine? Et là, je lutte contre moi-même. Je dis, c'est bon, là, tu vas pas me niquer trois fois. Et là, je fais comme ça. 7. Et là, j'ai sorti le mot 7. Et tout ce que je vous dis, j'ai des vidéos preuve à l'appui. Tu vois, parce que il y a quelqu'un qui nous a filmé. Et du coup, il y a vraiment toute la scène au complet à laquelle tu peux assister. Et c'est vraiment dingue. Parce que du coup, je l'ai regardé après coup. Je me suis dit, mais c'est fou, tu vois. C'est vraiment fou, fou, fou. Wow. Et en termes de sensation, j'avais l'impression de planer. Genre, c'était incroyable. J'étais dans un autre état, tu vois. Et j'ai kiffé de fou. J'ai vraiment c'est génial, de fou. Après, je me dis, mais en fait, moi, les réponses que tu me disais, je les savais, mais juste, j'arrivais pas à les dire, tu vois. Et il me dit, oui, c'est pour ça que du coup, on peut pas vous faire n'importe quoi parce que vous êtes toujours encore un petit peu conscient, tu vois. Et du coup, ça m'a juste envie de refaire l'exercice, mais genre dans un silence le plus complet possible. Et où tu le mec, il fait vraiment n'importe quoi, tu vois. C'est fou, ça, quand même. Mais tu sais que. C'est dingue, c'est dingue à vivre. Tu sais que toi, quand tu me dis un truc, je te crois sur parole, t'as vu? Tu mens pas, là. Vraiment, je vous jure, j'aurais aimé, mais je vous jure, je mens pas. Donc l'hypnose, ça fonctionne, en fait. Mais en tout cas, après, je pense qu'il y a une notion de réceptif, pas réceptif. Mais moi, j'étais totalement réceptif, hein, pour être un petit peu vulgaire. Moi, j'étais ça. Voilà, il voulait de moi, quoi. Putain, c'est dingue. Incroyable, putain. C'est la première fois. Vraiment effrayant. Et à la fin, il m'a pranké. Il m'a dit, voilà, tu mets ta main ici et tout. Et genre, pendant 30 secondes, j'étais comme ça, j'arrivais pas à enlever ma main. Après, du coup, je fais comme ça. Je fais, vas-y, casse-toi là. Et du coup, j'ai enlevé ma main, tu vois. Mais je vous enverrai les vidéos. Waouh, c'est dingue. C'est la première fois que j'ai quelqu'un proche de moi qui vit ça. Parce que j'avais toujours entendu ailleurs et tout, tu vois, d'autres gens, même à la télé et tout, mais. C'est une des meilleures expériences que j'ai pu vivre dans ma vie, parce que du coup on le voit beaucoup à la télé et tout. Et par contre, quand ça t'arrive à toi, c'est vraiment toujours. Mais c'est similaire à. Surtout quand moi j'y croyais pas. Les gens, c'est des comédiens, ils font exprès, ils abusent et tout. Mais là, wesh, même 7, j'arrivais pas à le dire. C'est dingue ça. Mais c'est similaire à un rêve un peu en sensation ou c'est différent encore? Mais non, parce que j'étais plus. Moi j'étais conscient en fait, j'étais conscient, je connaissais la réponse, j'arrivais juste pas à la dire. Mais c'est quoi ce. C'est vrai que comment ça se passe en fait? Genre toi, t'arrivais à dire 7 dans ta tête ou pas par exemple? Ouais, okay. C'est clair. Si tu ok, sais, mais ça sort pas. Juste ça voulait pas sortir. Ouais. Voilà. C'est bloqué. Bloqué. Putain, mais après, t'aimes bien le spectacle aussi. Toi, t'aimes bien le spectacle. Je sais pas si je te crois. T'aimes bien. Ouais, avoir justement, je voulais lui mettre des bâtons dans les roues, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Ça rebat les cartes pour moi. Mais là, c'est qu'il y a plein de trucs comme ça. Même pour lier ça à un sujet qu'on aborde souvent, en psychanalyse, il y a des thérapies par l'hypnose qui sont hyper
fructueuse en termes de résultats, ouais, hyper et curative. Hein. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Du coup, ça, je pense que tu peux le l'appliquer à plein de peurs que tu peux avoir, par exemple, tu vois. Ou même mieux, il y a des gens, apparemment, ils l'utilisent même pour arrêter la cigarette, ouais, pour arrêter leurs addictions, là, tu vois. Non, mais je pensais que dans l'hypnose curative, je pensais que c'était une espèce de psychanalyse, tu vois, un peu détournée, et que au final c'est la même chose. Je pensais pas que ça se comparait à la l'hypnose de tu peux plus dire ouais, c'est hypnotisé. Mais c'est dingue. Mais par contre, pour le coup, je connaissais genre l'existence de ça, mais pareil que pour toi, pour moi c'était tarpin flou et genre les gens qui te racontent ça, bon c'est des trucs un peu comme les gens qui disent j'ai vu un ovni ou quoi, tu vois, c'est loin, tu sais jamais vraiment si c'est vrai ou pas. Exactement, après, c'est pas grave, ça. Juste, mais... on dit un ufologiste, frérot. Je ferai un exposé là-dessus plus tard. Ah ben voilà, la transition est trouvée. C'est incroyable, ça. C'est incroyable de se faire hypnotiser comme ça, putain. Ouais, et je me suis dit, franchement, je pense à un jour, si on a l'occasion, tous les trois, franchement, tu bookes ça pendant peut-être, vas-y, une demi-heure ou quoi. Et je pense qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment s'amuser de fou. C'est vrai que c'est une activité en soirée. On considère pas trop, alors que je pense qu'elle est sujette à vraiment des énormes fous. C'est vrai, ça. Mais il faudrait apprendre à hypnotiser nous-mêmes aussi. Mais oui, parce qu'en fait, il avait besoin de rien. Oui. C'était juste sa voix. C'est juste sa voix, il faisait des trucs comme ça aussi. Oui. Il faisait ça, il faisait... Maintenant, tu dors. Maintenant... Et il y a une vidéo, vraiment, quand je vous l'envoie, vous allez rigoler. Quand il dit « Maintenant, tu dors » et que je m'endors sec, vraiment, c'est effrayant. Je meurs carrément dans la vidéo. Mais quand, par exemple, quand tu t'es endormi, t'étais conscient de t'endormir ou pas? Non, j'étais réveillé dans ma tête. Ok. C'est eux les vrais magiciens, t'as vu, les vrais ensorceleurs en fait, c'est ces gars-là. Hein. En vrai, en réalité, mais oui, pour le coup, oui. De la magie noire ou pas? T'as dit quoi? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la magie noire ou pas, ce truc-là? Non, pourquoi? Il n'y a pas de... Non, il y a des... Parce que s'ils utilisent des trucs, c'est sûr, ils sont genoux, ces gars-là, c'est pas possible. Parce que regarde, si c'était aussi con que juste tu parles et tu hypnotises un mec, pourquoi toi et moi on pourrait pas le faire? Tu vois, il suffit que tu répètes mot pour mot ce que le gars il dit et t'es capable de le faire. Pourquoi ce gars-là il y arrive, toi et parce moi? Parce que je pense que ça demande de l'entraînement et tout, qui est un énorme facteur de discrédit où de prime abord tout le monde considère ça comme du charlatanisme et tout, donc on s'y intéresse pas vraiment, tu vois. Mais il y a plein de trucs. Oui, mais regarde. Oui, mais Abdou, il partait avec des a priori de ça va pas fonctionner sur moi. Moi, j'étais sûr que ça allait pas fonctionner. Hein. D'ailleurs, faites donc, ça, ouais. Vous deux, là, pour voir si vous êtes réceptifs. Mais il faut qu'ils disent et après, c'est cloué comme ça. Non, il disait rien. Il disait rien. Si, mais il a rien dit. Si, tes doigts se rapprochent. Ah, si, peut-être qu'il parle. Si, il dit ça, tes doigts, ils sont vissés, dire, ouais, après, ouais. Ils arrivent plus à se décoller, tout ça. Moi, je fais comme ça, frérot. Comme ça, sur ça marche à tous les coups sur mes neveux. C'est fou que ce soit ça le test. C'est fou, non? C'est vrai que quand tu m'as dit ça, je me suis dit non, je le crois pas, c'est pas possible. Et après, il me l'a fait avec les mains. Ouais. Il m'a fait ça, colle, et tac, ça s'est collé comme jamais. Mais oui, mais du coup, pour toi, est-ce que c'était une expérience anecdotique et dont les limites s'arrêtent à ce que tu as vécu, ou est-ce que ça ouvre la porte à d'autres trucs ésotériques et tout? Non, moi, je veux aller plus loin. Je veux ramener pendant une heure, lui et moi, on va se parler. Non, mais... Dans le sens, est-ce que ça vous apporte à, genre, une autre... Pas forcément un autre type de magie, mais un truc avec des esprits, tu sais, des choses comme ça. Des pentagrammes, des invocations de démons, des trucs comme ça, non, ça te dit rien? Parce que moi, ce week-end, je fais rien. Hein. Non, mais en tout cas, prochaine activité, je pense qu'on va se booker ça. Et ça peut être vraiment génial. Franchement, ce serait génial. C'est vrai que c'est... En plus, il faut que je trouve sa carte, mais il doit l'avoir quelque part. Là. Non, parce que pour moi, je te dis, ça rebat les cartes. Hein. Si ce truc-là, c'est vrai, il y a quoi? Mais toi, tu croyais pas à ça, Elias? Moi, je pensais que tu croyais que tu étais versé un petit peu dans les croyances ésotériques au point de les croire. Pas juste de les connaître, mais de les croire un peu. Non, l'hypnotisme... Je me rappelle la dernière fois, quand tu avais fait ton exposé sur l'art conceptuel. Tu avais parlé de Marina Abramovic, où on l'avait mentionné vite fait, je crois, non? Ben elle, apparemment, elle est dotée de pouvoirs d'hypnose et de magnétisme hyper puissants. Et apparemment, mais ça, bon, c'est un peu, ça rentre dans les théories du complot un peu particulières aussi, mais il y a plein de puissants, notamment les puissants du Bohemian Club, qui pour le coup, qu'on soit conspirationniste ou pas, existent vraiment, qui font appel à elle
pour faire des rituels avec des esprits ou des trucs comme ça. Alors que elle, c'est vraiment une artiste à l'origine. Enfin, en tout cas, elle est considérée comme une artiste. Et apparemment, elle arrive vraiment à rentrer en contact avec des esprits, à manipuler des âmes. Renseignez-vous, parce que j'ai pas de connaissance exacte sur le sujet, mais je sais qu'elle a cette réputation et qu'apparemment, elle ferait ça. Ouais, après, je pense qu'elle, c'est, comme tu as dit, c'est une artiste. Donc, quand elle fait ce genre de truc-là pour des clubs de mecs riches, c'est, je pense, un peu une performance artistique. Non, parce que c'est lié à leur pratique. Parce que je sais pas si tu as vu, bon, on va rentrer dans un. Je pense une mini parenthèse, mais un autre sujet. Mais tu connais le boxeur Ryan Garcia? Oui. Ah, mais oui. Ben là, il y a quelques jours, il a fait une déclaration au cours d'un live Twitter avec Andrew Tate, où il a dit que du fait de sa célébrité, il avait été mis en contact avec tous les cercles pédophiles des puissants de ce monde, et en particulier la Bohemian Grove, là. Où apparemment tous les mecs de Hollywood et les politiques et tout, ils vont pour faire certains de leurs rituels, et que ben, pour le coup, il avait vu des ignominies, tu vois, se passer devant lui, on l'avait forcé à regarder, qu'il n'avait pas voulu y participer, mais comme d'habitude, il a dit je révélerai ça en temps et en heure, en temps voulu, tout ça, tout ça. Et en regardant un petit peu, en rafraîchissant ma mémoire sur le Bohemian Club et tout, il disait que pour le coup, ben, Marina Abramovic, elle intervenait, mais dans un cadre vraiment ésotérique. Pas juste une performance artistique comme ça, mais en gros, pour laver leurs âmes, ou servir de passerelle entre mondes, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Donc, à voir, frérot. Ouais. Un coup de creuser. Ouais. T'as dit quoi? À creuser? Et du coup, pour finir, ce man-là, je viens de du coup, le chercher. Le mec qui m'a hypnotisé s'appelle Michael Castral Bella. C'est un magicien qui est reconnu, connu et reconnu. Il est sur l'agence des magiciens.com. Ça existe. Oui, du coup, je pense vraiment que je vais contacter pour passer une soirée avec lui, avec des amis, parce que ça peut être vraiment génial. Ouais, lui. Ah, c'est lui. Ah oui, lui, là. Mais lui, il est connu que le singe, là. Attends, on voit rien. Mais non, toi, tu parles de Japan. Mais non, mal. Regarde, c'est lui. Mais on voit rien du tout. Moi, je vois c'est qui, parce que du coup, j'ai tapé son nom. Comment il s'appelle, oui, c'est lui. Michael Castral. Mais il a fait des vidéos avec, Bella. Je crois, Pierre Cross. Bella. Mais pourquoi il ressemble à un mix entre Dedo et le mec qui faisait le portugais dans le Jamel Comedy Club un peu, non? C'est vraiment ouais, bravo. C'est entre... Pour le coup, c'est exactement ça. Bravo. C'est fou d'avoir exactement pile ça, c'est fou. Ça aide que les deux. Dedo de Yacine et Dedo et le portugais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Jalo, exactement. Eh ben. Et pourquoi il fait quoi au parc Astérix? Il fait Astérix? Hein? Il est magicien sur scène? Oui, il est dans Panoramix. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est un personnage déguisé. Ouais. Ok. Non, bah, très bien. Ah, il est sur LinkedIn, je vais le suivre. Voilà. C'était ma petite actu hyper fun qui m'est arrivée la semaine dernière. C'est génial. C'est génial. Et en plus, on s'est vu hier et tu me l'as pas raconté. Tu l'as gardé exprès pour le podcast. Oui, je voulais garder un peu l'exclu. C'est génial. Cool. Super, merci. Allez, Elias, à toi, c'est l'exposé. C'est l'exposé. Putain, mais là, vraiment... Je passe en exposé après un tour de magie, après l'ésotérisme de Maria Abramovic, après ma chute. Après Chelsea de Roman. Alors, faites chacun votre tour parce que vous aviez super des trucs super marrants à dire. Faut que tu lagues énormément chez moi. Je sais pas si c'est toi aussi, Elias, mais. Non, mais c'est parce que moi j'ai la fibre. Alors. L'exposé d'aujourd'hui, il va répondre un peu à une demande populaire qu'on a eue d'aborder un peu plus les phénomènes internet. Et en particulier, si je me trompe pas, le commentaire de Rohan qui disait que je serais intéressé d'en apprendre un petit peu plus sur les phénomènes internet, des plus vieux, qui les ont vécus, machin, etc. Et du coup, moi j'avais à cœur effectivement de partager des événements internet auxquels j'ai pu assister, de premier abord, on va dire. Et. Il y avait un cas, pardon. Et du coup, ça va nous mener au sujet du Noélis et de jeux vidéo quantum. Voilà. Un sujet que Abdou, tu connais très bien. Farouk, je ne sais pas d'ailleurs à quel point tu es familier avec ce sujet. Moi, je suis un piste, frérot. Oui, je sais. Je sais, on va en parler de ça aussi.
Je sais pas à quel point t'es familier, toi, avec cet univers-là. Si, ça, si t'intéresse. Attends, de loin, mais j'ai jamais été très, 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 très sachant à ce sujet. Mais de loin, un petit peu, oui. D'accord. Bah, ça tombe bien. Parce que là, évidemment, je vais pas faire un tour complet de la question. On va plutôt faire, voilà, une. Comment dire, on va approcher ça dans les origines, on va dire, du noélisme, comment c'est arrivé, à travers certains termes qui peuvent être... Mais on voit pas, quoi, du coup, à chaque fois que je montre un truc, on voit pas. C'est fou de faire trois fois la même chose. Je suis désolé. Et à chaque fois, tu sais pas faire trois fois. Mais parce que pour ceux qui nous écoutent, Farouk, il a essayé de nous montrer son téléphone une troisième fois. Et on n'a rien vu une troisième fois. Et on n'a rien vu une troisième fois. Du coup... Je vais vous parler donc du noélisme. Je vais vous parler de plusieurs termes différents que je vais commencer à introduire immédiatement. Et à les définir, évidemment. Avec, en commençant par celui qui, je pense, définit plutôt bien les... Pas forcément les créateurs, mais ceux qui ont contribué à énormément de phénomènes Internet. Et c'est un terme que j'ai utilisé avec vous dans le groupe que vous ne connaissiez pas et que du coup, je vais m'atteler à définir, qui est le terme du summer fags. D'accord. Summerfag, comment dire? Je pense que ça va, c'est suffisamment parlant en termes de termes. Pour ceux qui sont familiers avec la culture Internet, pour ceux qui ne le sont pas et qui ne sont pas familiers avec l'anglais non plus, summer, été, fags, contraction de faggot, qui est un terme très péjoratif, on va dire, pour les membres de la communauté LGBT. Voilà, pour éviter d'être trop brut. Et en fait, c'est un terme qui désigne tout simplement les personnes qui participent sur un forum ou une communauté en ligne qui est assez conséquente en général. Tu ne peux pas trop être un summerfag si tu es dans un petit forum de niche. Et donc, sur ces forums-là, pendant l'été, donc il y a plusieurs phénomènes qui arrivent. Déjà, les mineurs ne sont pas à l'école. Donc, ils ont plus de temps libre devant eux et ils le passent où ? Sur Internet. Et en plus, c'est un moment qui est un peu plus hors la loi. En termes de modération sur le reste de l'année. Puisque c'est l'été, il y a des périodes de vacances, tous les modérateurs ne sont pas forcément connectés en même temps. Et du coup, ils n'ont pas forcément la bande passante pour pouvoir traiter tous les bannissements, modérer globalement le forum ou la communauté. Et d'où le terme summerfagené. C'est un terme du coup qui est péjoratif envers ces utilisateurs, on va dire, occasionnels de la plateforme, et qui en général viennent sans connaître les termes, sans connaître les règles, et sans connaître, on va dire, les us et coutumes de la communauté dans laquelle ils vont participer. C'est un terme qui est né sur 4chan. Voilà, 4chan qui... T'as dit quoi ? C'est quoi 4chan ? Eh ben, on va y venir aussi parce que c'est important de le définir pour mieux comprendre le noélisme. 4chan, que je conseille à personne de taper ça sur internet et d'aller vérifier ce que c'est. Faites-nous confiance. Ça va encore. Ça va. En fait, 4chan, c'est un image board. Donc, un image board, c'est juste un forum en ligne sur lequel la façon de participer, c'est de poster une image et puis après un commentaire à côté. Donc, si tu postes pas d'image, tu peux pas créer de nouveaux sujets, de nouveaux topics, de nouveaux threads ou de nouveaux fils, selon le terme que vous préférez employer. Et du coup, c'est une communauté en ligne, donc c'est un image board qui se subdivise en plusieurs plus petites communautés, qui a été créée en 2003, si je dis pas de bêtises, et qui initialement était composée de seulement deux sous-communautés. Et ensuite, il y en a eu beaucoup, beaucoup plus. Il y en a des dizaines aujourd'hui qui existent. Et la plus fameuse, on va dire, la plus tristement célèbre, c'est la communauté /B/, qui est à la base random et animé. En gros, il y avait plusieurs communautés. Et la communauté un peu fourre-tout, là où on ne savait pas comment trop interagir, on allait la retrouver derrière sur random, donc B. Et c'est forcément la communauté la plus connue de 4chan aujourd'hui. C'est celle sur laquelle il y a eu énormément de scandales. Des photos et des vidéos gore postées tous les jours. Beaucoup de photos aussi de... comment on pourrait dire avec un terme très... comment dire? Très chaste qu'ils utilisaient, qui était cheese pizza. Qui voulait tout simplement dire child pornographie. Et puis du coup de la pornographie globalement dessus, désolé d'employer ces termes là sachant notre audit, c'est factuel hein, de toute façon. Mais voilà, c'est un chat, mais... pardon, on va appeler un chat un chat,
faut appeler un chat, oui, tout à fait, faut dire les choses. Donc bref, disons véritablement, c'était l'endroit le plus pourri d'Internet. Enfin, pas forcément le plus pourri, mais le plus accessible et le plus pourri d'Internet. Le plus de personnes communiquaient et échangeaient. Et du coup, c'est un endroit aussi qui avait beaucoup ses termes, qui avait beaucoup ses délires et qui les a vraiment exportés partout. Je pense que vous êtes tous familiers avec le Rickroll. Je sais pas si ça vous parle. Je me suis fait Rickrolled, mec. Voilà, tu t'es fait Rickrolled. Tout ce qui est les Rage Guys dans les années 2007-2008, tous les mèmes en fait, qui sortaient à un moment donné, tout ça, ça venait de 4chan. Anonymous, par exemple, c'est pareil, c'est un truc que tout le monde connaît aujourd'hui, le grand groupe de hackers qui fait peur, machin. Ça vient de ça, né de 4chan. Et ils ont été responsables d'énormément de choses comme ça. Donc, et les Semarfax, donc, c'est les gens qui venaient sur 4chan, qui n'arrivaient pas à utiliser les bons termes, qui ne comprenaient pas exactement de quoi on parlait, qui posaient des mauvaises questions, qui utilisaient mal l'image board. Mais moi, j'aurais été un Semarfax, en fait. Initialement, forcément. Mais voilà, qui faisait quand même vivre le forum. Et ça nous amène en 2004. Pardon. Donc là, sans transition. Désolé de t'interrompre, mais juste apporter une petite précision, parce que je me dis... Les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers à ça, peut-être qu'ils pensent, d'après ce qu'on vient de dire, que 4chan, genre, c'est un petit truc que nous, on décrit parce qu'on est familiers à cette culture et tout. Ah oui. Non, non, c'est immense. Et bon, là, ça a un peu perdu de son attrait parce que les gens, ils ont vu que c'était un peu dégoûtant et qu'il y a plein d'autres réseaux sociaux qui sont nés. Mais c'est un peu l'ancêtre de tous les trucs. C'est le berceau d'une grande partie de la culture Internet. C'est l'ancêtre un peu... de Reddit en quelque sorte, et c'est vraiment un mastodonte dans l'internet en général, américain bien sûr, mais après mondial par la suite. Et carrément, ouais. Et c'est oui, enfin c'est bien de le préciser d'ailleurs, je l'ai pas fait, mais c'est clair que la portée de 4chan, elle était vraiment internationale déjà, et puis en plus elle englobait tous les pans d'internet, puisque comme je l'ai dit, 4chan c'était plein de communautés différentes. Donc, que ce soit la télévision, le cinéma, les animés, les mangas, enfin, dès que vous aviez un intérêt particulier, il y avait forcément des mèmes dans cette communauté qui émanaient de 4chan. C'était systématique. Sachant en plus la longévité du site qui existe encore aujourd'hui, pardon, et qui a été créé en 2003. Et oui, et puis autre chose, la devise, on va dire, de 4chan à l'époque, c'était vraiment la liberté d'expression. Voilà, dans son terme le plus américain et le plus extrême, où il n'y avait pas de modération, tout le monde avait le droit de dire ce qu'il voulait, c'était vraiment une zone de non-droit. Voilà, chose qui a beaucoup changé, étant donné toutes les dérives qui sont nées avec 4chan, qui aujourd'hui, il y a de la modération, on essaie de faire gaffe, surtout pour les trucs très criminels, on va dire. Mais à l'époque, c'était vraiment... tout était permis, quoi. Et donc ça finit par inspirer le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, pareil, pour revenir un peu sur les origines du noélisme, puisque c'était le sujet de base, c'est né sur un autre forum, mais qui est français et qui s'appelle jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, donc, qui est un site qui était à la base connu essentiellement pour l'actualité jeux vidéo, mais également pour avoir tous les codes de triche, etc. sur les jeux. Voilà. Encore une fois, là je parle pour les jeunes. C'était la référence pour les notations des différents jeux. Moi je me rappelle avant d'acheter un jeu, j'allais tout de suite sur jeuxvideo.com et là il te disait 17 sur 20, 16 sur 20, 15 sur 20. Et là tu disais est-ce que c'est un bon jeu ou pas un jeu. C'est un peu le Rotten Tomatoes du jeu vidéo à l'époque. Exactement. La big référence en tout cas francophone sur la notation de jeux vidéo. T'achetais pas un jeu vidéo sans vérifier si elle avait une bonne note sur jeuxvideo.com. Notejv.com. Exactement. Et puis, après, il y a eu toute une mythologie sur jeuxvideo.com avec Romaine Deal, par exemple, pour les connaisseurs, qui était la testeuse attitrée de tous les jeux, les RPG japonais. Et qui, étant donné que c'était la testeuse attitrée, c'est celle qui appréciait ça le plus, donc qui mettait toujours des notes ultra abusées sur les RPG japonais et qui n'était pas toujours très, très objective. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Là, c'est vraiment un jugement d'Iliès envers cette personne. Rien à voir avec l'exposé. C'est quelque chose que j'en avais gros sur la patate. Oui, exactement. C'est un jugement qui était partagé par tout le monde sur le forum à l'époque. Et du coup, j'étais un consommateur de ces forums-là, évidemment pour les jeux vidéo, parce que comme vous l'avez compris, j'ai toujours aimé consommer des jeux vidéo, mais en plus parce que c'était la communauté en ligne française, finalement. Et donc, c'est un site qui existe depuis au moins 98 ou 99. Oui, et c'est qu'en 2004, c'est en 2004 qu'ils ont créé finalement les forums.
Et dans ces forums, il y avait donc les forums qui étaient liés aux jeux vidéo qui étaient notés sur le site, mais il y avait aussi les forums qui étaient plutôt généraux et qui s'appelaient les blabla. Et blabla, ils étaient divisés par tranche d'âge. Ça allait de moins 15 jusqu'à 35 ans. Ah oui, c'est vrai ça. Voilà. Avec le moins 15, évidemment, c'était les gamins, les... avec à l'époque, le terme, c'était kikoulol. Voilà. Ah oui, mais putain, mais la rêve de Zinzin. Ouais, ouais, c'est... J'allais te dire, tu parles de kikoulol, les Américains. Oui, c'est ça. Non, mais cette vidéo, dans 50 ans, c'est l'exposé que tu es en train de faire, il va être hilarant, il va me faire beaucoup rire. Ça, ça va être un super vintage, tu vois, une sacrée archive à ressortir. Exactement. Et c'est important de le faire comme ça, on sacralise ce moment-là qui est déjà 15 ans en arrière pour nous, donc c'est super. Non, c'est sûr. Et puis en plus, je me suis rendu compte, tu vois, en cherchant un peu sur ce dont je vais vous parler là, qu'il n'y a pas tant d'articles, il n'y a pas tant de trucs qui reparlent non, de cette période-là. Non, ça c'est un pan de l'internet français qui est assez... qui est un peu en train de sombrer dans l'oubli, parce que qui va le traiter finalement, tu vois. Il n'y a pas de youtubeurs spécialisés juste culture internet populaire. Il y en a qui sont, comme on disait la dernière fois, horreur, d'autres qui sont jeux vidéo, d'autres qui sont... Mais ouais, ça, c'est un truc juste de la vie courante, quoi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, objectivement, hein, là, je vais vous en parler, mais au-delà de l'exposé, c'est vraiment intéressant, tu vois. C'est super intéressant. Non, mais... Je ne l'ai pas vécu. En fait, là, je t'en parle comme un feuilleton, mais quand tu étais dedans, tu vois, c'est, et même après, c'est pas intéressant si tu n'étais pas dedans, je pense. Mais après, ouais, je pense que c'est comme le sub Airplace maintenant, qui chaque année, on dirait que c'est un truc de fou, alors que ben non, on s'en fout de ça. Et ben, tu veux que je te dise un truc, Airplace, on va en parler. Et on va parler même de l'ancêtre Airplace. Donc, 2004, création du blabla. Et donc, moins 15, 15, 18. 25-35 d'ailleurs, pour la petite anecdote, qui était l'endroit en fait où tout le monde allait mettre des trolls et des trucs comme ça, parce qu'il était ultra vide en fait, il n'y a personne qui participait. Et le 35+, qui encore une fois pour la petite anecdote, c'était le connu aussi comme le blabla du nord de la Corée, parce qu'en fait il y avait un modérateur en particulier qui laissait rien passer. Si tu parlais pas d'impôts, si tu parlais pas de ton salaire, si tu parlais pas de trucs comme ça, tu te faisais bannir immédiatement. Faut que je retrouve son nom, c'était Papy quelque chose, Papy du 59, un truc comme ça, c'était ça son nom de modérateur. Et du coup, pourquoi j'ai introduit avec les Summer Fag, pourquoi j'ai introduit avec 4chan, pourquoi j'ai introduit avec tout ça? Parce que les Summer Fag, à la fois, c'était un fléau dans ce genre de communauté, parce qu'ils venaient foutre la merde, ils comprenaient rien, ils étaient très cons, c'était souvent des kikoulol. Non, ça bug chez moi, toi aussi Abdou? Mais alors, pardon, là j'ai des problèmes de communication avec le serveur. La prise, et ça a bugué, ça... on t'entend plus. Et je suis super déconné. C'est bon. Vous m'entendez là ou pas? Là, normalement, ça devrait être bon. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Donc je disais, les Summer Fag, donc qui sont l'équivalent des kikoulol chez nous, qui foutent la merde, etc. Mais qui sont, à mon sens, également souvent responsables de grands moments d'Internet. Et en termes de grands moments d'Internet, il y a évidemment la création des Noélistes. Les Noélistes, qu'est-ce que c'est? Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, d'accord, on est à l'été 2006. Et l'été 2006, on n'est que 2 ans après la création des blabla. Y a des modérateurs qui sont affectés aux différents trucs, mais ce n'est pas des grosses communautés et il n'y a pas encore énormément de travail de modération qui est fait de façon très systématique. Et l'été 2006 arrive. Et donc forcément, l'été 2006 signifie hausse de l'activité et diminution de la modération. Et il y a un mec qui s'appelle Triple Pat qui s'amuse qui s'amuse à mettre Taggle. Donc T-A-G-G-L-E suivi du smiley Noël sur les posts de tout le monde. Dès qu'il poste quelque chose, dès qu'il y a un message, il lui répond Taggle avec le smiley Noël. Donc ce qu'on appelait du flood, du coup à l'époque, F-L-O-O-D. Ah oui, Noël, voilà. Donc il faisait que flooder du coup en disant Taggle Noël à tout le monde. Sauf que, pas beaucoup de modération, et finalement, il ne se fait pas bannir du tout. Ses messages ne se font pas immédiatement retirer. Ce qui commence à donner l'idée au reste des kikoulol, au reste des Summer Fag qui sont présents à l'époque sur la plateforme, de faire la même chose. Et c'est là qu'on commence à voir des Taggle, des Vogel, des Bien ta vie, des Bien ta grotte. Et des trucs comme ça qu'il faut que flotter partout sur toute la plateforme, avec à chaque fois... le smiley Noël suivi du message.
Toujours écrit 2 points Noël, 2 points. Exactement. Il suffisait juste de faire ça pour le smiley. 2 points Noël, 2 points. Et d'ailleurs, il y avait même une, pas une vendetta, mais on regardait de haut ceux qui allaient dans le truc de smiley pour choisir le smiley. Il fallait écrire 2 points Noël. Ouais, ouais, génial. Donc, il s'amusait à faire ça pendant un moment. Ça a fini par se calmer à la fin de l'été, évidemment. Et fin 2006 arrive. Et à ce moment-là, il y a le bannissement du seul modérateur du 15-18 qui s'appelle Arm Ruby One. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça faisait que 2 ans, il n'y avait qu'un seul modérateur. Suite à cela, il y a eu plusieurs modérateurs quand la plateforme a grossi, mais lui, il était tout seul. Il s'est banni. Vous avez une idée du nombre de membres qu'il y avait à l'époque ? C'est une bonne question. C'est beaucoup, non ? J'ai l'impression. En 2006, ça allait encore. Il y avait du monde, mais ça allait encore. C'est pas ce que c'est devenu après. Donc, il se fait bannir. Et on annonce qu'il a été banni. Et en plus, la raison de son bannissement, c'était très bête, c'est qu'en fait, il avait volé le compte de quelqu'un. Et les administrateurs, ils étaient très... parce qu'en gros, tu avais modérateur et puis administrateur au-dessus. Les administrateurs, ils étaient très... ils suivaient les règles à la lettre. Et si à partir du moment où tu utilises un autre compte que le tien, où tu voles un compte, boum, il se faisait dégager. Ce qui se passe, c'est que du coup, il se fait bannir. Et pendant 3 semaines, pas de modérateur. Pas de modération, pas de bannissement, rien du tout. Et c'est le chaos. Pendant 3 semaines, sur la fin 2006, c'est le chaos total. Il y a un flot constant avec que des posts Noël. Et donc, le classique ta gueule, le vogueule, les machins, etc. Et que des posts de conneries sans arrêt pendant 3 semaines avec personne pour tenir la barque. Suite à ça, début 2020, début 2007, il y a l'intervention d'un personnage qui est... Je ne sais pas si ça va te parler, Abdou, si tu étais vraiment impliqué dans la communauté ou pas, mais un personnage légendaire du 15-18 qui s'appelle Sisla. Non, je n'ai pas. Et Sisla, en fait, en fait, c'est devenu la figure du modérateur, c'est devenu le Jésus, en fait, finalement, presque du 15-18. Désolé hein, pour le blasphème. Et pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il arrive à une période de trouble. Pendant qu'il y a énormément de chaos, etc., il arrive et évidemment, il ne se fait pas tout de suite apprécier. D'accord ? C'est les Romains avec Jésus, les flodeurs qui tenaient la plateforme ne sont pas du tout contents de cela. Au point même que, du coup, lui, pour un peu aller dans leur sens, il y avait plusieurs différents postes et il y avait des postes qui étaient un peu permanents sur la plateforme qui s'appelaient les blabla. Dans le blabla 15-18, il y avait des gros postes qui faisaient des dizaines de milliers de pages. Dans lesquels en fait les habitués du forum allaient discuter. Et dans ce poste-là, il y a quelqu'un qui insinue qui se pose la question en fait comment Sisla il est arrivé en tant que modérateur, il a dû passer sous la table, etc. Alors que bon, poste de modérateur, c'est vraiment pas super glorieux, mais et du coup c'est un moment donné où sa cote de popularité elle est au plus bas. Sauf que lui, pour aller un peu dans leur sens, Il répond à ce gars-là en lui disant « salaud » de façon ironique, avec à la fin le smiley Noël. Tu vois, pour entériner, tu vois, finalement, le noélisme comme étant même un truc utilisé par la modération. La plus haute figure de l'État. Exactement. Sauf que, on sait tous, quand la figure de l'État, elle essaie de se rapprocher par des moyens un peu... voilà, ça ne fonctionne pas. Il s'est fait éclater. Il a envoyé... Le parallèle, c'est comme Macron, il prend des vidéos exactement, comme ça face aux enseignants. Exactement ça. Exactement. Et donc, Sisla, il envoie Salo avec le petit smile Noël. Il part de son ordinateur. 3 heures après, il revient. Des centaines de messages sur le forum suggestion, qui à l'époque parlait directement aux administrateurs, pour demander sa démission. C'était la République du 15-18. C'était la République du 15-18. Donc il court pour aller demander sa démission en disant voilà, il nous a insulté, il utilise des mots forts, on comprend pas, c'est pas normal d'avoir un modérateur comme ça. Et sa tête, elle est véritablement mise à prix à ce moment-là. Et ce qui se passe en fait, c'est que au fur et à mesure, c'était arrivé pendant peut-être 2 jours, ça a eu le temps de se calmer un petit peu. Et Sisla, ce qu'il fait, c'est que pour essayer d'être un peu plus proche du peuple, il partage une photo de lui, qui est debout comme ça, dans son jardin, avec une bouteille de panaché, et derrière lui, un cochon, t'as vu, à la broche, qui est en train de griller, tu vois. Waouh.
Et lui, le but, tu vois, c'était pas du tout une photo qui était manipulée. C'était l'idée, c'était pas ça. C'était juste de se présenter en tant que nouveau modérateur et être un peu plus proche de la population, de la communauté. Et ça, ça a fait un pas un tollé. Au contraire, plutôt dans l'autre sens. L'accueil, il a été phénoménal sur le fait que ce truc, cette image-là, en fait, si vous voulez, elle est devenue vraiment légendaire pour le 15-18. Je vais essayer de vous la retrouver et qui a été l'objet d'énormément de messages par la suite et d'énormément. Attends, faut que je vous la trouve parce que vraiment, elle est dingue. Il porte un pantacourt blanc et tout. Et, bon, c'est pas lui coup, qui fait ordre de gros lardons maintenant. Il faut en parler de ça aussi parce que c'était un certain public hein, aussi le 15-18. J'essaie de m'en attendre. Comment on va faire c'était, Oh là là, la quatrième mais fois. Attends, mais tu veux que je fasse quoi? Attends, je vais vous montrer. Mais je suis parti avec ton écran. Je sens mon bigot. Voilà, c'est bon, il l'a fait, il est très bien. Ça, oh, mais faut vous le voyez retrouver lui, vraiment. Hein. Bouteille de panne. Eh ben alors, pour la petite anecdote, aujourd'hui il est banquier au Luxembourg. C'est farouche. En fait. Alors, waouh. Exactement. Donc voilà, c'est ça, avec une bouteille de panaché, son pote derrière et le cochon à la broche pendant un barbecue incroyable. Avec sa femme. C'est incroyable. Et ça, voilà, ça a vraiment été un des moments forts aussi de sa modération, parce que c'est ça qui lui a permis un peu de retourner l'opinion populaire autour de lui. Aujourd'hui, il est, on se rappelle de lui comme étant vraiment le meilleur modérateur qui ait jamais connu le 15-18. Alors que finalement, bon, il a rien fait de fou, tu vois, il a juste posté une photo de lui avec un cochon. Là, on est au début 2007. La modération se passe un petit peu mieux. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qui se passe? L'été arrive, et avec l'été, le bordel, encore une fois. C'est pour ça que je voulais vraiment introduire sur les Summer Facts, parce que je pense que c'est parmi ceux qui ont vraiment travaillé sur finalement les grands événements, et notamment le Blabla 15-18. Mais, et en 2007... Ilyes, ouais. Pardon, mais en France, on parlait pas de Summer Facts, on parlait de Noob, non? Il y avait Noob, Noob et Kikoulol. Mais ouais, c'était le Noob, c'était plus un Summer Fag. Le Kikoulol, c'était plus le mec qui était sur son Skyblock, qui comprenait pas trop Internet. Voilà. Et... Le Noob, c'est vraiment voilà. Pour moi, c'est l'équivalent du Summer Fag un peu, tu vois. C'est vrai que c'est plus proche du Summer Fag. Sauf que le Summer Fag, ça fait plus référence à une certaine période de l'année. Oui. Ok. Et là, 2007 arrive, et là, je pense qu'on est sur le pic et la vraie création en fait du mouvement des Noélistes, parce qu'il y a une vidéo en fait qui émeut, qui met en haleine tout le site, c'est le freestyle truand de la galère. C'est exactement ce que j'étais en train de taper là, tu vois. Morsai Noël. Parce que j'étais en train de me demander, parce que je sais qu'il y avait un lien entre les deux justement là, tu vois. Exactement. Exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il fait chaud, il n'y a rien à faire, c'est l'été, les gamins sont chez eux, et il y a un mec qui partage ce freestyle-là, du coup, sur le Blabla 15-18. Et là, tout le monde tombe dessus. Oui, alors, du coup, peut-être à préciser aussi, c'est ce que je disais juste avant, le Blabla 15-18, les participants, c'est une certaine partie de la population des jeunes français à l'époque. C'est, sans faire de jugement ou quoi, c'est principalement blanc. Qui écoute du métal, qui s'intéresse à l'informatique, et les rares qui écoutent du rap, du R&B, etc. Le rap, et c'est très souvent du rap conscient, du rap un peu recherché underground. Surtout à l'époque, Kerry James et compagnie. Là. Exactement, mais encore plus que ça. Hein. Moi, je te parle de, tu vois, des rappeurs comme Hugo, TSR, des trucs comme ça. Oxmo Puccino. Ça. Ouais, ça, oui, c'est une bonne ref, mais vraiment eux ils étaient très underground, tu vois. Tu vois, tu leur parlais de Booba, etc. Ils voulaient pas en entendre parler. Ok, j'entends. Voilà. Donc, une frange de la population très critique, on va dire, du rap pas conscient, du gangsta rap, on va dire, à l'époque. Et encore plus de rappeurs très roots, on va dire, comme Morsai, qui fait partie des friands de la galère. Et donc, ils postent cette vidéo sur le blabla, et les mecs du 15-18 tombent dessus. Et le triomphe de la galère, c'était pas des vidéos qui faisaient énormément de vues, énormément de commentaires à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que t'as tout le forum qui tombe sur la vidéo sur YouTube et qui envoie plein de commentaires. Pour se foutre de la gueule des mecs qui rappent, pour se foutre de la gueule de Morsai, pour se foutre de la gueule des paroles. Ils sont remontés. Donc, ce qui se passe, ce dont tout le monde se rappelle aujourd'hui, c'est la fameuse réponse de Morsai. Avec la fameuse phrase « Cliquez ». Bande de... voilà.
cliquer. Avec évidemment des termes très crus, voilà, des termes très revanchards de la part de Marseille, qui s'en prend forcément à la communauté du 15-18 et à la communauté internet. Pour lui, il n'avait pas forcément identifié que c'était le jeuxvideo.com et le 15-18 qui l'attaquaient, mais il y avait un vrai mouvement noëliste avec systématiquement dans les commentaires le smiley Noël. Ou, si ce n'était pas le smiley, deux points Noël. Exactement. Et ça va à tel point qu'il y a un noëliste, parce que c'est comme ça qu'il se présentait, qui va répondre du coup à Marseille dans une vidéo qui a été pas ultra bien forcément reçue. Des gens ont apprécié qu'il ait le courage de se montrer voilà, tête découverte pour insulter Marseille, mais d'autres ont regretté le fait que déjà le gars il avait une dégaine de gothique très émo 2000, tu vois, années 2000, et en plus il était extrêmement premier degré, tu vois, en disant Marseille c'est nul ce que tu fais mec, je comprends pas, tu crois que t'impressionnes qui, etc. Donc ça n'a pas été super bien reçu. Mais voilà, c'était une des, comment dire, un des exemples finalement de la prise de position des noëlistes autour d'un même sujet pour s'en prendre à quelqu'un. Et aujourd'hui, avec beaucoup de, avec le recul, etc. Alors il y a eu beaucoup de choses qui sont passées après. Il y a eu Cortex notamment, voilà, les pyramides que vous connaissez peut-être. Un autre rappeur proche de Marseille qui a eu énormément aussi de démêlés avec le 15-18. Et toujours sous la bannière des noëlistes et apistes dans un second temps, mais ça on en arrivera après. Et tout ça pour dire que finalement cet événement Marseille, c'est ce qui a vraiment cristallisé le noëlisme et qui les a rassemblés autour d'un même sujet, ce qui a derrière donné naissance à énormément d'autres choses qu'ils ont pu faire. Donc il y a eu par exemple un des gros événements, c'était le hack du skyblog d'une participante de Secret Story à l'époque. Qui s'appelait Lali, oui. Je sais pas si ça vous parle. Précisément célèbre Lali. Oui. La policière. Bon, c'est quoi, t'as dit? La policière, je savais pas. Je me rappelle de l'histoire du hack, mais je connaissais pas la personne. Je regardais pas Secret Story à l'époque, je crois. Pareil. Et du coup, son skyblock qui avait été hacké, et ce qu'on lui avait dit, c'était qu'on te le rendra si tu arrives à la télé et que tu dis Noël vaincra. Donc c'était voilà, toujours autour du noëlisme, toujours autour de mettre en avant le noëlisme, et c'était un truc qui était important pour eux d'arriver à ce qu'on parle d'eux. Donc systématiquement dans des émissions de radio, ils appelaient pour que le présentateur prononce vive le Noël, vive le noëlisme, un truc comme ça. Et puis ils allaient s'amuser à hacker pas mal de sites pour pouvoir mettre des smileys Noël, etc. Notamment d'ailleurs à une certaine époque le site de l'armée américaine, si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, évidemment, on a parlé de 4chan juste avant, et l'idée du noëlisme, en fait, quand il a fini par s'organiser un minimum, on va dire, c'était de beaucoup s'inspirer de ce qui se faisait côté 4chan, et justement de devenir un peu les hackers du web français, de devenir un peu les terreurs, de faire en sorte que le 15-18, ça devienne aussi la poubelle du site de l'internet français, au même titre que 4chan, c'était la poubelle de l'internet international, on va dire. Et pour aller plus loin, ils sont même rentrés en contact à certains moments avec 4chan, puisque, je te parlais tout à l'heure, toi tu parlais de The Place tout à l'heure, 4chan, ça devait être en 2008 peut-être, si je regarde mes... Ouais, 2008, ils avaient lancé un truc qui s'appelait Drawball, qui était le même principe en fait que The Place, qui du coup je vais rappeler exactement ce que c'est. C'est... L'idée de 4chan, c'était avoir une plateforme sur laquelle il y avait une espèce d'énorme boule, et chaque participant de 4chan pouvait aller dessus et mettre un petit pixel de couleur. Et ça permettait de faire une espèce d'énorme œuvre digitale en fait, sur ce site. Et l'idée, c'était que chaque communauté de 4chan participe à ce truc de Drawball pour mettre un petit quelque chose qui représenterait leur communauté à eux. Et jeuxvideo.com et blablabla 15-18 se sont emparés de ce truc-là pour y aller, pour spammer le drawball et pour mettre un énorme smiley de Noël en plein milieu du drawball de 4chan. Et là, encore une fois, ça a été la guerre après pendant un moment. Oh purée, waouh. Et je viens de me rappeler d'un événement, c'était incroyablement drôle ça aussi. Pardon. Et donc, ce qui s'est passé, donc, ils sont partis faire le truc de drawball, ils ont emmerdé tout le monde côté 4chan. 4chan sont venus sur le blabla 15-18 pour aller flooder pareil, spammer à fond le site. Et alors là,
il y avait un nouveau modérateur qui venait d'arriver, qui s'appelait Sumas, qui était détesté parce que très 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 strict et très injuste sur pas mal de trucs. Et ce con, il avait commencé à supprimer tous les messages et tout. Et sur un thread, il avait posté à destination des mecs de 4chan, come on and try, avec un smiley Noël. Et pendant 2 semaines, je me rappelle, il se prenait pour Terminator. Et tout le monde avait été devenu très fan de lui parce qu'il s'était permis de leur répondre en anglais comme ça pour leur dire, ouais, pour les challenger de venir spammer la plateforme. C'est drôle. Et du coup, bah voilà, ils avaient fait ça. Après, il y a eu d'autres trucs. Il y avait eu l'épisode de envoyer Justin Bieber en Corée du Nord. C'est encore autre chose. Il y avait eu un concours en fait sur. Il y avait eu un concours pour en gros choisir une ville dans le monde où Justin Bieber irait pour un concert. 4chan avait commencé à travailler pour l'envoyer en Corée du Nord, donc ils votaient massivement pour la Corée du Nord. Et jeuxvideo.com sont partis également les aider pour l'envoyer en Corée du Nord. Ce qui s'est passé, c'est que la Corée du Nord sont arrivés premiers, mais du coup ils ont dû être retirés du truc et donc il n'y est jamais allé finalement, malheureusement. Et il l'avait refait. Alors, et pour la petite anecdote, il l'avait refait 4chan et cette fois-ci pas le Leblanc 15-18 pour. Ah oui. Sauf que t'en as entendu parler de ça. Ça c'était 4chan et c'était pour l'envoyer dans un état américain, donc dans une ville aux États-Unis, et il l'envoyait dans un trou paumé de fou malade en Alaska. Il était allé. Ce gars. Et il était allé. Sauf que pour le coup, il est allé. Et c'était en plus, si je dis pas de conneries. C'était la scène, elle se retrouvait oui. Dans un Walmart en c'est fait ça. Dans cette ville là donc un supermarché en fait américain ça, ouais. Et voilà globalement un peu les origines du noélisme, un peu aussi la mythologie autour de jeuxvideo.com et du blabla 15-18, sachant que du coup voilà y avait, comme je l'ai expliqué avec Sisla, comme je l'ai expliqué là avec Sumas qui avait dit come on and try, il y avait un grand culte qui se développait avec les petites anecdotes des différents modérateurs, comment ils interagissaient, etc. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je sais que ça va te plaire, Abdou. Sisla, il avait été interviewé dans un magazine Entrevue pour commenter sur la bande à Bilal. Génial. Ça, c'est... Tu vois, on croit que Avengers, c'est le crossover le plus ambitieux, alors que c'est ça, finalement. Ces gars-là, là, de jeuxvideo.com, ils ont été, pour moi, dans ma jeunesse, sujet, je pense, au plus grand fou rire qui existe. Je crois que c'est la bande à Bilal. Parce que moi, en fait, mon interface de ça, c'était Fatih, donc un pote à moi turc, il était très, très à fond dans jeuxvideo.com, et du coup, on se parlait tout le temps sur MSN et tout. Et chaque fois qu'il y avait un truc qui cartonnait sur jeuxvideo.com, il m'envoyait, moi, je sais pas, consommateur de jeuxvideo.com, parce que j'étais plutôt sur Soccers. Et vraiment, mais quand je vous dis que c'était les moments les plus drôles de ma vie, il y avait le rap des sans-papiers, la bande à Bilal, il y avait du 38, le fameux, l'arrêt de Grégory Coupet, là. Oh oui, Greg, il la sort. Ah oui, si vous l'avez, celle-là, elle est incroyable. Oui. Et je pense que c'était un peu les prémices de ce qu'on appelle même aujourd'hui. Carrément. Oui, exactement. Oui, carrément. Et puis ouais, la bande à Bilal, typiquement, c'est un truc qui traînait sur YouTube pendant 2 ans, jusqu'à ce que le 15-18 tombe sur la vidéo et en font un énorme buzz, tu vois. C'était eux qui servaient de catalyseur à la plupart des phénomènes comme ça. La bande à Bilal, Khalis, Amandine du 38, tous ces mecs-là, les phénomènes, c'était le 15-18 qui les propulsait souvent. Ouais, souvent c'était eux, parce que en fait, c'est le fait qu'une communauté comme ça part interagir directement avec la vidéo, la partage, en parle, etc. Fatih, mon pote, tu vois, vu qu'il était lui sur le forum, il envoyait à tout notre groupe en fait d'amis, alors que nous on n'y était pas, tu vois. Et du coup, je pense que c'est comme ça que des phénomènes se créent. C'est intéressant. Je savais pas qu'il servait aussi de tremplin de popularité à tout ça. Mais politiquement, c'est hyper intéressant, hein, ce gars. Bien sûr. Mais oui. Il y a beaucoup de parallèles à faire. Mais c'est. Non, mais c'était et puis en fait c'était il y avait ce truc là aussi parce que en tout cas entre 2007 je pense et 2010, 2012 c'était quand ça a commencé à partir en live et que c'est devenu de plus en plus actif et de plus en plus populaire, il y avait ce truc de vouloir être là pour le nouveau buzz, tu vois.
Donc en fait, dès qu'il y avait un truc qui était un peu marrant, qui fonctionnait un peu bien, ils en faisaient des tonnes, tu vois, pour pouvoir le reléguer, pour en parler au maximum et pour être dans le topic qui en parlait, en disant j'étais là, j'ai participé, tu vois. Et pour moi, c'était ça, vraiment, ça, c'était le... Je vais pas dire le pic de la culture internet, parce que c'était pas que des trucs très bien, mais c'était un super truc communautaire, tu vois, auquel participer à un certain moment donné. Ah, c'est exceptionnel, surtout la façon dont tu l'as raconté en storytelling avec un fil directeur comme... Pour moi, c'était un Marvel, là. Non, c'était un Nolan, en fait, là, avec un retournement de situation à la fin et tout, c'est fou. Ah, j'adore, et puis moi, je suis ultra friand de ce genre d'histoire et tout, c'est génial. Je la connaissais pas du tout avec autant de détails. Non, pas. Et toi, Elias, c'était quoi ta position par rapport à tout ça? T'étais un summer fag? T'étais un spectateur externe? En n'étant pas un summer fag, justement, en voyant les summer fags arriver, mais genre, tu vas pas aller leur dire, vas-y, cassez-vous pour des summer fags, ou tu les juges un peu de loin et tout. T'étais actif ou t'étais juste spectateur, on va dire, de tout en ça? En fait, au début, j'étais pas ultra actif dessus, sachant qu'en plus, si je te dis pas de bêtises, attends. Moi, en plus, pendant un moment, en tout cas au tout début, quand j'étais dessus, j'étais pas censé être sur le 15-18 bah oui, finalement. Tu vois. 2006-2007, t'étais pas censé être dessus. Vraiment. Voilà, c'est ça, j'étais censé être sur le moins 15. Donc initialement, j'étais pas trop actif parce que, tu vois, dans ma tête de con pré-ado, un peu impressionné, tu vois. En me disant, ah, c'est le 15-18, je peux pas participer comme je veux. Jusqu'à un moment donné où j'ai fini par être actif dessus. Et là, j'avoue, j'étais très actif. Au point où il y avait la course au non-collector, par exemple. Dès qu'il y avait une nouvelle... T'as dit que j'aurais bien aimé, à l'époque, en tout cas. Je sais pas, c'était trop bien d'être modérateur. C'est con, hein, mais... C'est vrai. Mais... C'est parallèle, ouais. C'est vrai que moi, sur tous les forums où j'étais, c'était le Graal et j'ai failli l'être deux fois. Mmh. Et pour moi, c'était vraiment le truc le plus incroyable possible d'être modérateur. Surtout sur Soccer.fr qui avait plus de 100 000 membres et footmanager.com qui en avait environ, je pense, 30 000, 40 000. Ça aurait été un peu le Graal. c'était limite des travaux à plein temps, par contre. C'était effrayant. C'est pour ça que je le voyais finalement. Au début, je captais pas trop ça quand j'étais petit, mais après, je les voyais comme des mecs vraiment genre qui dédiaient leur vie à ça, tu vois. Et c'est là où tu as un peu cette double vision de ces gars-là comme à la fois des légendes et des losers complets aussi. Et tu le captes très tôt, en fait. Exactement. C'est super drôle. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, en vrai. Parce que moi, du coup, je sentais que j'avais aussi une fibre entrepreneuriale parce que j'essayais de créer mes propres forums, tu vois. Et du coup, de faire en sorte que les gens viennent sur mon forum et tout. Créer un peu le... un forum un peu successful, disant putain, moi, frérot, je suis admin. Bah oui, bien sûr. Pour avoir l'engouement, la communauté, etc. et pouvoir manager un peu tout ce qui se passe dessus. Vraiment. C'est vrai, qu'est-ce que c'était marrant. La culture des forums, c'est dommage qu'elle ait été remplacée par d'autres choses. Non, je pense pas vraiment qu'elle est la même, c'est juste que c'est le média qui change, on va dire. Ouais, mais là, je pense que ça tend à disparaître vraiment parce que les dernières applications qui représentent des forums, pour moi, c'est Reddit, peut-être, qui est encore... Ouais, Reddit et Twitter. Twitter, c'est pas tant organisé par forum, si je me trompe pas. Non, oui, t'as raison, mais du coup, après, tu te crées ton propre réseau dans Twitter, qui fait que c'est comme si t'étais dans un forum, tu vois. Pour moi, en tout cas, si je prends mon exemple à moi, avec le cercle de personnes que je suivais et qui me suivaient, j'ai l'impression que c'était dans ma bulle et qu'on était vraiment que entre nous. On parlait de tout. Oui, je pense que le Twitter auquel toi tu fais référence, c'était vraiment comme ça. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est moins le cas. Que le Twitter d'aujourd'hui, c'est devenu autre chose, en fait. Ou peut-être que nous, on le voit différemment aussi. Ah, c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, moi, pour moi, le vrai successeur des forums aujourd'hui, et c'est un peu malheureux parce que c'est pas ultra facile d'accès, mais c'est Discord. C'est vrai aussi. C'est vrai ça. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il faut arriver à trouver le lien, il faut tomber par-dessus, il faut tomber dessus. Alors que le forum, t'arrivais quand même dans une page d'accueil où après tu pouvais aller où tu veux, tu vois. Alors que Discord, il faut déjà tomber dans le bon endroit directement. C'est ça. Ouais. Là, j'ai plié le game avec ce que j'ai dit. Non, pas tant. T'as répété ce que j'ai dit ou t'as répété... enfin... Vous, c'était quoi vos forums de prédilection? Je pense que moi, je l'ai déjà assez dit en long et en large. Soulcœur, quoi d'autre? Ah ouais.
Stockers.fr, footmanager.com. C'était quoi tes activités sur cette forum? Ma vie dessus, littéralement. Non, mais c'était quoi, tu parlais de rumeurs de transfert, tu comparais des joueurs, t'analysais des matchs, quoi. Alors, en fait, il y avait deux trucs différents. Donc, footmanager.com, c'était, on va dire, un jeu, dans le sens où, en gros, tu sais, à l'époque, sur PES, tu pouvais faire des championnats en simulation. C'est-à-dire, tu fais, on va dire, un championnat avec tout le championnat anglais. Du coup, il y a les mêmes équipes. Et du coup, chaque membre du forum anglais, bah, il a son équipe. Donc, moi, j'avais mon équipe, on va dire. Et après, du coup, tu fais des transferts avec les autres joueurs, etc. Et le mec qui est simulateur, du coup, bah, lui, à chaque fois que tu fais un transfert dans le forum, il le fait dans son jeu, tu vois. Et après, une fois que tu as une équipe qui est validée et tout, bah, avant chaque match, tu dois donner ta compo au simulateur. L'autre gars avec qui tu dois jouer, il donne aussi sa compo. Et lui, après, il simule le match. Et fait des lives sur le forum du match. Génial, ça. Vraiment, c'était incroyable. Hein. C'était vraiment phénoménal. Et surtout, moi, j'étais hyper réputé pour mon sens commercial et mon sens de la négociation. J'avais une équipe, j'avais commencé avec le MSV Duisbourg. Et à la fin, j'avais Ronaldo, numéro 9 en attaque. J'avais une équipe de malade mental, vraiment de fou malade. Et encore aujourd'hui, j'ai encore cette page dans mes favoris sur... sur Safari. Ah, c'est drôle, ça. Ouais, j'ai encore mon équipe à quoi elle ressemblait. Je l'ai encore. Sors-le. Et soccer.fr. Attends, mais je vais te la trouver. Et soccer.fr, c'était plutôt axé sur le vrai foot, pour le coup. Mais Foot Manager, ça devait être une sacrée période. Hein. Ça devait être génial, ça. Non, Foot Manager, c'était génial. Franchement, c'était vraiment, vraiment génial. Je changerais ça pour rien au monde. Oh, c'est hilarant l'équipe que j'avais, c'est fou. Hein. Mon équipe Euro, je te donne mon équipe, hein, le 17 mai 2008. Dans les cas, j'avais Rogerio Ceni. Après, j'avais Lilian Thuram, Cafu, Sergio Ramos, Saul Campbell. J'avais Xavi, Simao et Anatoly Timochuk. Je pense que ça parle un peu moins aux gens. Et en attaque, j'avais... Mais c'est fou d'avoir une équipe pareille. Ronaldinho, Shevchenko, Ronaldo. Wow, ouais, d'accord. Et tout ça avec MSV Duisbourg, frérot. C'est incroyable, putain. C'est incroyable. Et les gens étaient très choqués de ma capacité à avoir de superbes équipes en partant de rien. Ouais, ça vient pas de nulle part, hein. Oui, c'est vrai. C'était ça ma photo de profil, frérot, à l'époque. C'était vraiment toi. C'est pas si bon, mais ça, si tu regardes bien. Mais toi, t'étais pas adepte de l'anonymat sur internet? Non, mais non, ça c'est un autre point. C'est un autre point. Pendant que tu parlais, je voulais pas t'interrompre. Mais du coup, sur les deux forums, je me rappelle, il y avait une sous-partie, genre montrer vos têtes. Et là aussi, tu pouvais voir la nature des gens et leur faculté à montrer ou pas montrer. Et moi, j'avais aucun problème avec ça. Et des fois, je me liais d'amitié avec du coup des pseudos et tout. Et quand ils mettaient leur tête, j'avais la rage. Oh, je me suis dit, putain, c'est un putain de pouilleux. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est marrant, ça. Ah oui, moi j'étais très anonyme sur internet. Ouais, vraiment, c'est fou. Est-ce que vous avez vécu la partie genre relation pseudo-amoureuse sur les forums ou c'était purement entre collègues? Non, moi c'était que masculin. Perso, soccer, le foot manager, c'était que masculin. Vraiment, il n'y a jamais eu aucune fille là-dessus. Mais, et toi, Farouk, t'as été sur des communautés en ligne un peu sur les forums? Oui, t'es sur. Non, tu vois, j'étais beaucoup trop jeune pour ça, je connaissais pas du tout, en fait. Non, moi j'étais. Un forum sur lequel j'étais assez actif, c'était le forum Harry Potter, moi. Parce que. En fait, j'étais pas un Potterhead de nature, à l'origine j'étais juste un amateur des livres. Mais en fait, quand j'ai fini les livres, j'ai tellement pas accepté que ça se termine. Que j'ai voulu continuer à faire vivre ça en allant parler avec des gens. Sauf que moi, je voulais pas commencer à remettre en question, faire des théories, parce que pour moi, l'œuvre canon de J.K. Rowling, fallait pas en discuter. Donc, je m'attardais sur des détails complètement merdiques. Et je me rappelle souvent, les gens, ils remettaient en cause la légitimité de mes topics. Par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, mais je sais pas si c'est dans... Je sais pas si c'est dans Le Prince de Sang Mêlé ou... Les reliques de la mort, mais à un moment, Harry,
il doit récupérer un Horcrux, donc ça doit être dans le dernier, dans un bassin avec un liquide dedans. Et en gros, je crois que soit il met sa main dans le liquide pour attraper l'objet, soit il doit le boire pour vider le truc, et après il récupère l'objet, tu vois. Et moi, j'avais dit aux gens, j'avais écrit un topic, j'avais dit, à votre avis, c'était quoi le liquide, là? Et les gens me disaient, mais ferme ta gueule, toi, qu'est-ce que tu demandes et tout, là? Pourquoi tu te poses cette question et tout? Mais c'était ma seule façon et mon seul moyen de continuer à faire vivre ça. Donc ouais, il y avait un peu Harry Potter. Après, les autres livres que je lisais aussi un petit peu, les Eragon et tout, j'aimais bien. L'Épouvanteur aussi, donc forum livre. Et après, un peu forum manga. Ouais, voilà, c'était ça. C'était des forums connus, ça, ou c'était des petits trucs? Non, c'était des petits trucs, je crois, la plupart du temps. Après, pour Harry Potter, non, je crois que c'était le Harry Potter France. Non, c'était Radcliffe quelque chose. Je saurais plus te dire exactement. Mais non, c'était ça. Mais après, j'ai vite switché sur d'autres trucs. Je suis pas resté très longtemps sur les forums. Le jeuxvideo.com, par exemple, j'étais visiteur, mais j'ai jamais rien posté dessus. De mon souvenir. Après, peut-être que je peux retrouver un truc à tout moment, mais... Et toi, Elias ? Non, mais tu vois... Oh lolo, moi, c'était une partie de ma vie, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Jamais sur le podcast, mais je vous en ai parlé. La partie de ma vie sur Slayers ça. Online. Elias, ça, c'était avec Ludivine ou quoi? Oui, malheureusement, oui. À moi et à mon frère. Et surtout à ton frère. Oui. Slayers Online, bah, peut-être pour faire court, c'était un jeu de rôle, enfin un jeu en ligne massivement multijoueur, MMORPG ou MEPORG. et c'est un jeu en fait qui était en 2D, qui était avec un gameplay qui était nul, tu vois. Pour attaquer, je me rappelle en fait, t'appuyais sur S, tu restais appuyé sur S et ça attaquait automatiquement. Il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de rien, tu vois. Juste t'avançais et t'appuyais sur S pour attaquer. Et c'était tellement, en fait, il n'y avait tellement rien à faire que les joueurs dessus ont fait une communauté de rôlistes, de jeux de rôle. Et en gros, ils faisaient différentes factions et ils faisaient tout simplement du jeu de rôle en disant, voilà, nous, on est l'armée du roi, nous, on est les méchants, on se tape dessus, on passe du temps à la taverne. Vous aviez créé un lore vous-même, en fait. Exactement. Il y avait un lore qu'on avait créé nous-mêmes, et en fait, ce lore, il se jouait beaucoup sur les différents forums des différentes guildes, en fait. Et en fait, c'était sur ces forums-là que je passais la plupart de mon temps, si c'était pas jeuxvideo.com, en fait. C'est... Ça, tu vois, ce que tu me racontes, moi, c'est limite, ça me fait des frissons. J'adore ce genre d'histoire-là. Des jeux, des MMORPG à l'ancienne, avec des graphiques éclatés, et les gens qui font vivre cette communauté. C'est exactement ce que je recherche quand je regarde des vidéos de Feldup ou Alt. Non, c'est pas trop ça, mais... Obscuria et tout pour le YouTube français, j'adore ces histoires-là, j'adore vraiment. Même PewDiePie, il racontait qu'il avait un jeu comme ça aussi quand il était jeune, et pareil, il raconte une histoire similaire à la tienne. J'essaierai de te retrouver la ref et je t'enverrai parce que c'est vraiment très intéressant. Je suis preneur, hein. Parce que ça, tu vois, c'est ça pour le coup, c'est des vrais trucs qui sont perdus typiquement, tu vois, parce que voilà. C'est des forums qui finissent par se fermer. Avec des pages et des pages et des pages de mecs qui écrivent des énormes pavés pour expliquer qu'ils se font la guerre à tel endroit et machin qui répond et tout. C'était de la folie. C'est pour ça aujourd'hui, je pense que je suis à fond, tu vois, sur les jeux de rôle, Donjons et Dragons, les conneries comme ça, parce que j'étais ultra, ultra bercé par ce truc-là. C'est sûr, c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est exactement ça que je visais quand je disais la dernière fois qu'il faut faire vivre la culture Internet, tu vois, pas parce que... C'est un truc, enfin oui, ça me tient à cœur bien sûr, mais pas parce que je trouve qu'elle est supérieure à d'autres, mais surtout parce qu'elle disparaît en fait au fur et à mesure. Pour des raisons techniques, comme on disait, les serveurs, bah, ils sont plus entretenus, puis les posts sont supprimés, les sites disparaissent. Et aujourd'hui, il y a plein de bijoux et de perles de notre préadolescence, de notre enfance et tout, ou même trucs qu'on connaît pas, mais qui ont marqué l'histoire d'Internet, bah, qui sont plus disponibles et qui... Même avec la Wayback Machine que les gens utilisent pour aller sur les sites, là, bah, tu ne peux plus accéder parce que la Wayback Machine, elle te montre comme une photo, en fait. C'est-à-dire que c'est une interface, mais tu peux cliquer sur rien, tu vois. Donc, c'est... Mais oui, c'est hyper frustrant. Moi, c'est mes conversations MSN. Je paierais tellement cher pour les retrouver. Exactement, c'est exactement ça. Parce que
5 € max. Ah oui, bah, pas... Heureusement que tu as une bonne journée économique. Ah oui, parce que... ah oui, tu ne découvres pas. J'en ai besoin. Ah, mais tu vois, par exemple, expliquer à quelqu'un de maintenant, à un jeune de maintenant, l'importance d'un Wiz pour nous, vraiment, il va dire bah oui, mais ta gueule, l'énorme incel de service, là, alors que pour nous, c'était trop cool, un Wiz. Tu vois, un émoticône, ouais. Le cochon qui danse, les trucs comme ça et tout, c'était trop cool. Et c'est pour ça que moi, très tôt, dès que j'ai acheté le cloud le plus cher possible. Et là, aujourd'hui, dans mon téléphone, ben, j'ai des photos, des discussions WhatsApp, des trucs qui datent de 2012-2013. Et vraiment, de les revoir, c'est fabuleux. Et j'espère pour rien au monde que je les perdrai. Parce que je serai incontrôlable. Ah, c'est, ça, c'est vraiment c'est... génial à faire, ouais. Vraiment chapeau pour ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment cool. T'es sérieux? C'est sur caméra, on peut revenir sur vidéo. Sur ces belles paroles de nostalgie, est-ce qu'on ferait pas les... direct comme ça? Et où, ouais, bah, clair, je vois qu'il est presque, 22h. Après, on peut faire un petit jeu. On joue au jeu du chiffre le plus grand. Je commence. 3. Vas-y. 1. 1000. Merci à tous pour avoir suivi ce podcast. Salut à tous. Non, tu sais, on fera quoi? Et c'est dommage parce que la semaine dernière, on avait fait... non, c'était un peu plus tôt, un peu plus avant, on a fait un petit bac, mais du coup, qu'on n'a pas pu vous passer, mais qui était, je pense, très très drôle pour mais nous. Mais on se dit qu'on le poste ou pas? On le poste, ouais, on non? On le poste. Bah, si on peut, on le poste. Ouais, on s'en fout. Eh, je peux faire une reco? Regardez la série. Ah, mais alors voilà, c'est un nouveau sujet. Déjà. Je la vois pas. On est d'accord qu'il y a 3 épisodes là qui sont sortis, voire 2. Ouais, et c'est la meilleure série au monde. On est d'accord que c'est une série Disney en plus. Ouais, et c'est la meilleure série. Et c'est une série sur le Japon, genre à l'ère Edo ou Meiji, avec des samouraïs qui font des trucs badass. Ouais, avec un blanc qui vient les sauver. Et toi là, qui depuis tout à l'heure nous montre ton bagage culturel en internet, en animé, en film et tout, tu craques pour ça? Parce que là, pour l'instant, je veux bien croire que c'est une bonne série, mais je vois que des petits néophytes arriver sur les autres, dire, oh, regardez ça, ça a l'air trop bien, et tu vois très bien que ces gars-là, ils n'ont jamais vu une série de leur vie, tu vois. C'est des Netflix frags. Non mais en plus, oh putain, tu vas trop aimer ces Game of Thrones, nos impôts, putain, c'est trop bon. Ouais. Je te rejoins complètement. C'est vraiment très très bien. Ouais, c'est... Et en plus, c'est basé sur une série de livres que je recommande aussi beaucoup, que j'avais commencé, que j'ai jamais fini. De attends, je vais te dire exactement comment il s'appelle le pôle. Quelque chose Clavel. Ah. Comment il s'appelle? Tom et Nana. Jérôme Carlier. James Clavell, Shogun. Donc il a fait Shogun, il a fait d'autres livres, et c'est ce gars-là, il fait beaucoup de comment ça s'appelle, de sagas historiques, souvent au Japon, enfin souvent en Asie en tout cas. Et ce gars-là, il est très très fort, et son bouquin, il est très très bien, et la série, elle est encore mieux. Génial, super super cool. Ça, je suis en train de regarder Shogun, Taipan. Ah, Taipan. Gaijin aussi. Un Kai, la noble maison, Whirlwind. Il a fait des films. Je vais voir si j'ai vu un film de cet homme. Ah, il est scénariste, producteur et réalisateur. Non. Rien vu de ce gars. Rien. Souvent, c'est l'adaptation. Attends, vu qu'on parle de ça et tout. Attends, Abdou, t'as vu le film Steak avec Eric et Ramzy ou pas? C'est ça l'image que t'as vu? Non, mais parce que c'est un super film de cinéphile pour le coup, donc ça veut dire que je te considère beaucoup. C'est un énorme navet. Mais tu sais pourquoi je parle de ça? Non. Parce que le réalisateur qui a fait ça, c'est Quentin Dupieux, et Zama, lui, il est connu maintenant comme étant un réalisateur qui fait des films hyper loufoques, mais à la fois intelligent en un sens et avec une super réal. Et là, il a fait des films qui ont vraiment beaucoup plu au public, mais un des
premier film qu'il a fait, les gens ne s'en rappellent pas trop, c'est Steak. Et moi, j'ai pas vu Steak et je veux pas le regarder. Et Elias, il me dit non, non. Moi, j'ai dû le voir. Mais j'ai pas dit non. Mais c'est horrible. Parce c'est... que j'étais très fan d'Eric Ramsey à un moment, donc j'ai dû le voir. Et... Mais en fait, je pense que c'est pour ça que moi, j'ai passé un mauvais moment. C'est parce que j'étais fan d'Eric Ramsey, je tombe sur ça et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois. Oui, ça, c'était comme quand ils ont fait leur spectacle. Oui. Le spectacle d'Eric Ramsey, t'es pas bien ? Non. Alors que les mots d'Eric Ramsey, c'est attends, super. Mais... Philatéliste. Bah oui, attends. J'sais ouais, plus. Moi, juste après le travail, philatéliste. Ça, c'est ce que t'aimes, ça. C'est bien. Les mots d'Eric Ramsey, moi, j'adore. Attends, il était pas bien. Ils ont fait qu'un seul spectacle, deux. Moi, j'en avais vu un, j'en attendais beaucoup et j'étais déçu. Voilà, après, Eric Ramsey, c'est pas Gaspard Proust non plus. Enfin, ouais. Je veux dire... La Madeleine. Non. Ça, c'est pas ce qui, bref. Tu veux quoi de Madeleine? Ouais, ça, c'est Peach. Sinon, quand Peach, ils étaient sponsors de la Coupe de la Ligue, c'était comment, ça? La personne a moufté, là. C'est vrai, Bellingham, il marquait pas des buts, là. Hein, d'ailleurs, la Ligue 1, ouais, va se renommer Ligue 1 McDonald's. Ouais. Oh, yeah. C'est... Non, mais c'est quoi? Alors que c'est du foot, et là, c'est des burgers. Tu imagines un peu? Non, mais toi, dis, pourquoi t'aimes pas Quentin Dupieux, alors, ces derniers films? Puisqu'on parlait de ça. Mais non, mais toi, il connaît quoi, lui? Mais non, mais dis pourquoi t'aimes pas, parce qu'on en a parlé vite fait, ouais, par message, non, mais pas par téléphone, je crois. J'ai rien contre ces films, si ce n'est, voilà, Steak, parce qu'encore une fois, je l'ai vu il y a très longtemps, peut-être que j'avais pas l'âge pour bien comprendre ce qu'il essayait de faire, tu vois, mais, ah oui, wow. En plus, je te regardais même pas. Il a fait quoi? Pu le laisser passer comme ça, si t'avais arrêté un peu plus tôt. Ah, tu vois. Il est en train de m'imiter, en train de parler. Et pourquoi t'aimes pas Yannick, alors? Non, moi, j'ai rien. Mais je l'ai pas vu, t'es fou, mon pote. Non, t'as pas envie Yannick de le voir. Mais j'ai jamais dit ça. Ça me dérange pas de le voir. Non, celui que j'ai envie de voir, c'est avec Jean Dujardin, là. Comment il s'appelle? Cuir. Le cuir, un truc comme ça. Le dain, ouais, bon, c'est un type de cuir. Alpaga, là. Alcantara, frérot, je crois. Il s'appelle le film. C'est un type de cuir, ça va. En plus, c'est l'histoire d'une veste, c'est pour ça. Mais lui, tu vois, j'aimerais bien le voir, par exemple. Très bizarre. Ouais, ça. Très bizarre. Moi, c'est Emma Bertin qui m'a aiguillé sur ça, parce que au début, j'ai voulu m'initier à son univers, et j'ai regardé Mandibule, et ça m'a pas trop plu. Je sais pas si tu l'as vu, Mandibule. Mm-hmm. C'est avec le Palma Show en rôle principal, et il y a... Il y a Adèle Exarchopoulos, il y a Roméo Elvis, et je sais plus il y a qui d'autre. Mais ils trouvent une mouche géante et ils essayent de lui apprendre des tours et tout, mais leur aventure, elle est... C'est pas très intéressant, tu vois. Et même leur personnage, je trouve, il est trop caricatural. Ah ouais? Et, Putain, c'est dommage. Et j'ai dit à ma belle, je dis ouais, j'ai pas trop aimé et tout. Elle m'a dit ouais, mais il fallait pas que tu commences par ça. Et honnêtement, elle m'a fait le combo parfait. Elle m'a dit, regarde Au Poste et... Réalité avec Shabba, et après regarde Yannick. Et Au Poste, il est vraiment trop cool, c'est un genre de huis clos trop bien. Réalité avec Shabba, j'ai un peu moins apprécié, d'accord, mais force est de constater que c'est un bon film, un super bon film. Et après, Yannick, c'est le top, je pense. Eh bien, je vais regarder Au Poste. Et en plus, pour le coup, là où c'est. Moi, c'est pas un truc. Auquel je suis particulièrement sensible de rien à bord, mais ces films, ils durent 1h05, 1h10, c'est cool, tu vois. Ça se regarde rapidement. Ah, oui. T'en enchaînes deux facilement. Eh ben, écoute, je vais regarder. Je vois Abdou qui regarde sa montre. Non, non, parce que je suis attendu, mais en vrai, vous pouvez continuer sans moi. T'es attendu par qui? Il s'appelle comment? Par Cédric Doumbé. non, je crois pas. Il faut que je regarde Jujutsu Kaisen épisode 0, le film de 1h30. Mais regarde le match, ça va être cool. T'as su trouver les mots, c'est bon. Mais j'ai rien dit. Ah ouais, merde. C'est à quelle heure le combat? Du coup,
C'est là, dans 30 minutes, je pense. C'est sur quelle chaîne? Ouais, ouais. Ah bon? C'est sur DAZN. Oh, chiant. Sur DAZN, moi je dis DAZN. Là, il va y avoir déjà le match de Abdouragimov, frère. Mais je crois que c'est gratos sur YouTube avec un VPN des States. Ah ouais? Ouais, il me semble. Et le VPN, attends, chute. Et le VPN, t'as un plan pour le VPN là? Allez, c'est bon, je vous laisse. Allez, les gars, un plan. Et Marocco, c'est de faire votre prière pendant le ramadan parce qu'on est lundi et le mois de ramadan il a commencé aujourd'hui. Marocco pour les non-musulmans alors. Faites-le, les non-musulmans, parce que le jeûne a des bienfaits sur la santé qui sont indéniables. Mais putain! Et après, nous, notre prophète, il avait dit 1500 ans avant, mais bon, bref, c'est pas une compétition. Vous, votre prophète, il n'avait pas dit, mais bon. Tu fais quoi, putain? Il est fou, quoi! Je rigole, c'est bon, je rigole. Bah, c'est ton droit, mais. Mais quoi, en fait, tu fais des TikTok, t'es un light skin! J'aimerais bien. Bon ramadan à tous et à ceux qui le font, force à vous. N'oubliez pas que c'est un mois pour œuvrer, pour faire du bien. Mais non, ouais, c'est juste que tu manges pas, tu bois pas. Donnez aux gens de se convertir à l'islam. C'est le podcast du prosélytisme. Yes, c'est ça. Les gens, ils arrivent. Et d'abord, bravo et merci à Emma pour les génériques. Il était incroyable au début. Hein. Ça a fait et à Adrien aussi pour la musique. Merci, Emma. Non. Merci, Adrien. Bon allez, Mama, Marocco, c'est l'album Magna Carta Holy Grail de Jay-Z. J'adore, c'est trop bien, Jay-Z, le meilleur du monde. Allez. Moi, Marocco, c'est arrêter de regarder des contenus américains parce que c'est de la merde et ça abrutit le cerveau. Allez, bonne soirée à tous. Allez, à plus. Ciao, tchuss. Bon match.